Je n'en pas au nom. Ça va, maman? Je viens de me coucher dans ton lit. Je mets ça moins chaud. Mettez. Bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi? Je te mets les colis. Bonjour mes cœurs. Bien dormi. Quel bonheur de dormir dans la chambre avec sa mère. Oh là là. Quel bonheur. Quel bonheur. Qui a déjà connu ça? Dormi dans le lit de sa mère, chose que Christo ne connaîtra jamais. Je ne connais pas le bonheur de venir serrer sa maman dans son lit. Christo Mimban. Christo Mimban. Christo Mimban, mi vampire. Est-ce que tu connais le bonheur de se lever dans le lit de sa mère? Moi, je suis dans la chambre de ma mère. Amben. Christo. Parle doucement parce que la matin dort. Mais c'est le matin, elle va se réveiller. J'ai dormi avec elle. Christo Mimban. Christo Mimban. Est-ce que tu sais ce que c'est que se lever dans le lit de sa mère? Comme un petit bébé. Le bonheur de se lever dans le lit de sa mère, d'abandonner sa chambre. Je vais quitter la chambre de ma mère. Je m'en vais dans ma chambre. Maman, il est déjà 10h. 6h quoi, maman. Vous pensez me dire non? Je quitte ta chambre. Je m'en vais dans ma chambre. Je viens te réveiller après, maman. Après, on fait quoi? Après, on fait quoi? Après, on va aller marcher au parc. Après, je t'amène marcher un peu. D'accord, maman. Je te fais ton petit déjeuner. Pas maintenant. Il est 5h. On va dans ma chambre. Il est 5h, maman. Je te mets les colis dans les yeux. Non, fais ça, maman. Il est 5h. Il est 5h, il est 6h. Non, ça va être temps. Christo. Christo, sa mère vit à Douala. Hein, maman? Non, ça va être temps. 5h, il est 5h. Attendez, quitte la chambre de la mère. M'en vais dans ma chambre, mon frère. Quitte la chambre de maman. Maman. Je viens après, maman. Bonne nuit, maman Anna. Bonne nuit, maman. Il est 5h. On va d'abord m'habiller. Maman, je te réveille après. Ok. Je fais mon café, je m'habille. Christo. Christo machiavélique. Attendez, je cache d'abord dans le noir. Pardon, je n'aime pas l'habiller. Je lance d'abord le café. Christo, cherche ta piole. Cherche ta piole. Christo machiavélique. Cherche ta piole. Cherche ta piole. Cherche ta piole. Tu comprends? Cherche ta piole au matin. Tu fais ton café, tu bois. Attendez, je vais mettre. Attendez, je pose ça comment? Attendez, je pose d'abord comme ça. Dans ma chambre, Christo,
Cherche ta maison. Cherche ta chambre, ma chérie. Cherche ta maison, même si c'est le trou. Même si c'est le trou, c'est ton trou. 34 ans, tu n'as pas de chambre, tu n'as pas où dormir. Je me lève avec toi. Je prends mon café avec toi. C'est comme ça. Souillu de Mbengis. Tu parles que la maison était désordonnée. Moi-même, chez moi, là, c'est désordonné. Regardez. C'est bien désordonné, là. Il y a les choses. Mais c'est le chez moi. Ouais. Ma foi, arrête de tomber. Maman, maman, dans ma tramboule, maman. Attendez, je vais m'habiller. J'ai laissé la télé d'abord allumée. Christo, t'as porté mon habit d'abord. Je voulais les fenêtres. Christo machiavélique. C'est sa Pâque. Attendez, porte d'abord quelque chose, ok? Je vais m'asseoir et je vais montrer à Christo que quand tu te reviens en Europe, tu dois avoir ta chambre. Et le café s'est versé là. Yeah, le café s'est versé au cœur. Oh, Christo, tu as vu comment tu viens de verser le café sur mon truc? Attends, je vais ouvrir les fenêtres. Christo, regarde comment j'ouvre. J'ouvre. Ça, c'est. Je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chamboule. Christo. Christo. Voilà, c'est bon. Tac. Je suis dans ma chambre, Christo. Même s'il y a le désordre un peu, c'est ma chambre. Hein? Hein, Christo? Je suis dans ma chambre. Ça, c'est ma chambre. Je m'assois, je suis dans ma chambre. Je prends ma jupe, je porte d'abord. Attendez. Je rentre d'abord un peu dans le noir. Christo. On me voit. Cette sapaque. 34 ans de main. Tu n'as pas. Attendez, je ferme la porte. Mais pardon, attendez, mets d'abord dans le noir, je vais porter la vie. Mais 34 ans de main, tu n'as pas de. Je mets la perruque, les cas. Attends, porte la vie. Je porte la vie, je m'assois, bois le café. Et je montre à Christo que. Christo Mimbang. Christo Mimbang. Le challenge, cherche ta maison. Tu seras chez toi et tu seras mieux. Ya! Yeah. 34 ans sans domicile. Hein? Attends, hein. On ne me voit pas, non. Mais vous ne me capturez pas, hein. Pardon. Je vais porter l'habit. Je vais porter l'habit d'abord. Attendez, je vais prendre le tour de direct au salon. Je vais prendre ma jupe. Je prends ma perruque. Ma valise est déjà prête. Attendez. Je vais chercher tout du direct. Je cache dans le noir, non, mes cœurs. Cache, non, mes cœurs. Je vais chercher sa maison. Christo Mimbang. Christo Mimbang, mi, 34 ans de main. Tu habites chez les gens. Hein? Mon frère. On peut être comme ça. Attendez, mets la perruque. Hein? Pardon, et je n'ai pas la perruque encore. Et mon Dieu. Voilà. Voilà. Je pose comme ça. Christo Mimbang, je suis dans ma chambre. Et je vais boire mon café. Le matin. J'ai fait mon petit café. C'est ça qui est ça. Voilà. Voilà, Christo Mimbang. Attends, je ferme la porte. Je porte d'abord la jupe. Même si c'est le foulard, j'attache. On ne me voit pas, non, mais que je porte d'abord la biche. Christo Mimbang. J'attache le foulard. Ce qui est sûr, c'est ça. Christo Mimbang. Christo Mimbang. Bien chouette. Bien sapaque. Les temps de qui là? Vieille sapaque. Vieille chouette. Attendez, mets la perruque d'abord. Vieille sapaque des temps de 1900, ouais.
Lève-toi, tu es chez toi, on voit. Hmm? Pistole, mais bon, lève-toi, tu es dans ta maison. Avant de parler aux gens. Attendez. Cette vieille sapac, des temps de 1900, ouais. Voilà. Attendez, j'attache bien le foulard. Voilà. J'ai attaché le foulard. Christo Mimban, réveille-toi, tu es dans ta maison, on voit. Tu as compris? Je suis dans ma chambre. Maman, j'ai dressé le lit depuis hier. Je n'ai pas dormi sur ça encore. Christo Mimban, lève-toi, tu dresses ton lit. Tu arranges ta chambre. On voit. Voilà. Voilà, une femme se lève le matin. Voilà mon trou. J'ai même la télé dans ma chambre. On m'a bien vu. Regarde. Ça, c'est la chambre d'une femme. J'ai mon ventilateur. Même si c'est qu'il y a un peu le désordre, c'est dans ma chambre, c'est chez moi. Hein? Ah, ma tête s'est levée. Attends, je mets un peu. Attends. Attendez, je pose sur le lit, non? Mes amours. Christo Mimban. Christo Mimban. Mamie, tu auras ta chambre quand? Tu auras ta chambre quand? Tu vas t'élever dans ta chambre quand? Hein? 35 ans de robe. Tu squattes chez les gens. On te chasse, tu pleures. Et on doit avoir pitié de toi. Va chercher ta maison. Regarde, je prends le café, je suis dans ma chambre. Qui va me parler fort? Qui va me parler fort? Je suis dans mon trou. Qui? Hein? Qui va me parler fort? Tu sais que tu adores les draps. Le drap orange, c'est 100% coton acheté chez les blancs. Je n'ai pas encore dormi sur ça, ça se voit. Oui, j'ai dressé. Je m'en vais aux États-Unis demain. Donc quand j'ai déjà dressé mon lit, donc quand je reviens, mon lit est toujours propre. C'est ça qui est ça. Elle habite chez les gens, elle est incapable de faire le ménage. Hein? Lève-toi, tu es chez toi, on voit. Dans ta chambre. Ma chambre fait 14 mètres carrés. Oui, nous sommes deux. Tu connais le bonheur de se lever dans le lit de sa mère? Christo Mimban. Tu connais le bonheur que tu te lèves le matin? Ça dit que tu laisses ta chambre. Même à mon âge, vieille comme je suis. Je dors encore à côté de ma mère. Il y a les jours que Bamé dormit dans sa chambre. Où je me lève le matin, pas me coucher là-bas. Tu connais ce bonheur-là? Tu connais ce bonheur de se lever dans la chambre de sa mère le matin? C'est le bonheur que tu ne veux pas faire connaître, bébé ange. Qui m'appelle? Oh. Oui. Le traiteur de Coco Mimban continue. Oui. Je me réveille sur Coco Mimban. Oui. Qu'elle se réveille dans sa chambre, on voit. Weki, hein, calme. Hein, mais non. Ta pauvre manipulation, hein. Ah. Il a organisé une pari. Ok, mais c'est bien, ah, mais que yani. Mais c'est bien, il est là, nyo pariga. La bonne organisation, non, hein? Oui, mais il est, maman, il aime donc problème, tabé. Non, hein? Il a yen, len coco, même bon, il est direct, len, non, hein?
Il est habillé bon les manions, habillé rapatrié manion, comment dit manionga, nyombai, manion nyombai, hein, l'en loué en calé en poro coco, les en bon révélation coco, direct, hein, encore mais assez bien, mais encore mais les abeignons sud ni manion, manion abeille sale ni ma pète mout, non, hein. En CB police, en cas à l'émanian, en sal ni ma pep, ou mout. Eh, ma mout, ba lo, ba rapati nyon yon bay. Aye nyon, an ou, men, ala we, an ou alete. Petite soeur, yé, men pe, men me. Itabe lele. Itabe sabotage. Men bon yé sabotage yuki. Men yé benya, atabe Wanda Jem, nore. Atabe ou men abe bon ye sabotage. Don beau frère en kale en poro len koko, en sebe men. Eh, en bon révélation. Tabe lele. Ha, franchement. Parce qu'on laisse, elle croit que. Je ne parle même plus. J'ai déjà oublié, mon frère. Toi-même, tu sais que. Mon poumon est là-bas chez les bassins, non? Choupi, mon poumon est de ndom. Tabelele. Bami gualme nyonga. Allez, dis-le. Le. Allez, le. Ngoba logo nyon cité. Ben ibe ngoba logo eh. Eh, ngoba logo eh. Eh, mami yosa. Eh, ouais, il y a un bengo, ben, maman, même si c'est bien, ah, même bon, révélation, you, ni, Christo machiavélique, eh, ok, même bisou, t'es où elle était, j'ai dit que, Christo, réveille-toi dans ta chambre, on voit. Réveille-toi dans ta chambre. Tu connais le bonheur de se réveiller dans la chambre de sa mère. Ce que nous, on a connu quand on était petit, que le matin, la première à se réveiller va se coucher sur le lit de sa mère. On discute le lit. Tu n'as pas connu ce bonheur. Et c'est le bonheur que tu ne veux pas que ton fils ange connaisse. Tu ne sais pas ce que c'est que... Amen. Qui sont mon frère? Qui sont ici là? Allô? Oui, monsieur. Oui. D'accord, monsieur, je vais vous ouvrir. Deuxième étage. Merci, la porte est à gauche. J'arrive. Comment? Attendez, il y a quelqu'un qui a sonné. Il a sonné. Oh, attendez, j'ai un courrier à récupérer, un recommandé là. Quelqu'un, attendez, je vais prendre le recommandé, j'ouvre la porte. J'arrive. Oui, dans le week. Oui! J'arrive, monsieur. Linga. Choupi. Oui, bonjour. Attends, je ne quitte pas, je vais prendre une Oui, bonjour, monsieur.
Et qui m'appelait? Un courrier. Donc, j'étais en train de dire que je suis là. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Je pose là. Voilà, j'étais en train de dire que il est quelle heure? 10 heures après, je vais faire le. J'étais en train de dire que Cuisto, tu ne connaîtras jamais le bonheur de se lever près de sa mère. Oui. Tu ne connaîtras jamais. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir ce que c'est que l'importance de se lever près de sa mère. Oui. Jusqu'à mon âge, il y a des jours que je décide de dormir chez ma mère, dans son lit. Ce que je vais te dire, si tu étais une fille intelligente, je ne sais pas les gens qui te conseillent, si tu étais une fille intelligente, vraiment, comment on dit quelqu'un intelligent, et que tu réclamais vraiment quelque chose à la star Lady Ponce, tu allais profiter du challenge, tu allais transformer le challenge là en ta faveur. C'est parce que tu sais que tu n'as rien à réclamer à cette dame. Tu n'as rien réclamé, tu n'as rien à réclamer à la star Lady Ponce. Sinon, Dieu devait te donner l'intelligence de transformer le challenge ma cocotte, casserole, sa poubelle à ta faveur. Toutes les vidéos que moi je poste, tu allais prendre, tu mets sur ta page en ta faveur. Tu sais que tu n'as rien à réclamer à cette dame. Tu es là pour salir. Oui. Tu es là pour salir. Sinon, tu allais profiter. Parce que tu n'as pas pu lancer un challenge. Tu n'as pas pu faire quelque chose. C'est maintenant que je suis en train de faire parler de ton truc. Et j'assume ce que je suis en train de faire. Depuis 17 jours que tu fais les vidéos, tu n'as pas pu, ça dit que mobiliser les Camerounais. Tu n'as pas pu vraiment toucher les Camerounais. Mais tu es venu pour salir. Voilà pourquoi le bon Dieu ne t'a pas donné l'intelligence de lancer un challenge casserole pour réclamer tes mamies. Tu n'as rien à réclamer. Le monde entier doit savoir que tu avais déjà prévu tes choses. Tu avais déjà prévu que tu vas salir la star. Tu n'es pas intelligente. Pas du tout. Tu es doom. Tu postes tes trucs que tu postes que quand tu étais encore bien. Je ne vois aucune que ce sont les plateaux jetables. Ce sont les plateaux jetables que tu postes là. Tu dis que quand tu étais encore bien, tu faisais le service. Ce sont les services. Où sont les ustensiles dont tu parles? Tu as toujours fait tes trucs avec les plateaux jetables. Tu as toujours exposé, présenté ta nourriture dans les plateaux jetables. Si tu n'as pas pu transformer ce challenge à ta faveur, c'est parce que tu n'as rien à réclamer à Lady Ponce. Je t'ai dit que je vais te détourner de ta cible. C'est comme ça et c'est pas autrement. Tu as entendu? Si tu étais une femme intelligente, tu allais copier toutes les vidéos que je mets, tu mets là-bas à ta faveur. Mais tu sais très bien que tu n'as rien à réclamer. Si tu avais quelque chose à réclamer, tu allais toucher les Camerounais. Venir saboter, c'est quoi? Ça nous fait quoi? Ça nous laisse à 37. Mais j'ai décidé de te répondre comme ça. Vos histoires qu'on vous dit qu'on m'a payé là, Lady Ponce peut me payer. Elle peut me payer. Elle vous a déjà dit un jour qu'elle m'a donné même une bouteille de champagne. Hein? Elle vous a dit que depuis des années que je parle, que je la défends pas parce que j'attends quelque chose. Je suis contre l'injustice. Si tu avais raison pour tes marmites, on allait être avec toi. C'est parce que tu n'as pas raison. Tu ne peux pas saluer une icône comme ça. Et on te laisse faire. Parce qu'elle a les détracteurs. Parce que la majorité de ses détracteurs sont les écans comme elle. Alors, vous devez comprendre que Lady Pond n'est pas écans. Elle est camerounaise, elle est africaine. Donc, je demande à tous les étrangers, même si vous n'êtes pas camerounais, de faire un challenge casserole. 35 ans sans, 35 ans toujours chez les gens en Europe. 35 ans à se pavaner. La plus gitane. Hein? La gitane noire. Vous avez déjà vu une gitane noire, la première gitane camerounaise, 34 ans en Europe, a dormi chez les gens. Une fille qui a fait du mal comme ça aux gens. Vous
connaissez ce qu'elle a fait à Carole Abena? Frédéric va témoigner. Et je voulais vous dire que ce soir, son beau-frère, elle a rapatrié, une fille qui a fait rapatrier sa soeur, même paix, même. Pendant que nous souffrons ici en Europe. C'est ouvert? Attendez, je vais parler. Pendant que nous souffrons ici en Europe, que on va faire comment pour venir un membre de notre famille pour nous apaiser des charges. Elle a fait rapatrier sa petite soeur, même paix, même. La fille travaille avec le Kaolo d'une autre personne. Elle était en Suisse, elle travaille avec le Kaolo de quelqu'un. Coco Cristo Machiavelli, qu'elle vient nous raconter cette histoire. Elle a fait rapatrier sa soeur, même paix, même du même ventre en Afrique. La fille souffre là-bas au pays jusqu'à ce n'est pas bon. Le gars vivait, sa soeur vivait avec un gars qu'elle n'aimait pas. Elle a dit, tu peux dire à ta soeur que tu n'aimes pas un gars, mais tu ne la fais pas rentrer. Elle a fait rentrer sa propre soeur, même paix, même que sa soeur lui a manqué de respect en vivant avec un gars qu'elle n'aime pas. Mes chers frères et sœurs, ça se fait où? Regardez la méchanceté de cette femme. Si elle a fait rapatrier sa propre soeur, même paix, même qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire un inconnu? Sa petite soeur Estelle. Oui, sa petite soeur Estelle qu'elle a fait rapatrier. Oui. Il va parler ce soir. Le gars qui vivait avec sa petite soeur s'appelle Patrick. Oui. Une fille comme ça qui a fait rentrer sa propre soeur. Quelle méchanceté, mes frères. Voici son numéro. Il va témoigner ce soir. Sa propre soeur. Le dernier gars qui vivait avec sa soeur avant qu'elle rapatrie en Afrique. Le gars s'appelle Patrick Bolongo. Patrick Bonongolo. Elle a fait rentrer sa soeur en Afrique. Et vous devez soutenir une fille comme ça. Pendant que nous souffrons ici. Même si ta soeur est en Europe, qu'elle ne te respecte pas, tu vas la faire rapatrier. C'est pas elle qui avait fait venir sa soeur, non. Sa soeur est passée par le Tchad comme elle. Elle s'est battue, elle est arrivée en Bénin. Vous voyez sa méchanceté. Sa soeur aussi a volé son étoile. Sa soeur aussi a volé son étoile. Vous parlez de quoi? Hein? On va démontrer au monde entier que c'est une fille qui a raté et qu'elle porte le karma de sa famille. Elle porte le karma de sa mère qui s'est déshabillée devant elle. Combien de personnes font venir leur soeur, leur frère qui les manque le respect, les tapent même. Hein? Tu parles de quoi? Vous croyez qu'on va la laisser? Elle est qui? Il va témoigner ce soir. Hein? Sa propre... Le direct, c'est à 21h. On ne discute rien avec elle. Vous comprenez? C'est un peu. C'est tout. C'est pas possible. Vous parlez de quoi? Une fille qui a rapatrié sa propre soeur, même paix, même en Afrique. C'est un peu. Et vous dites qu'elle est trop bien. Elle est bien avec quoi? Pourquoi elle a rapatrié sa soeur? Hein? Qu'est-ce qu'elle ne va pas dire? Toujours à vivre dans le chantage. Dites-moi un peu. Même si votre soeur vous fait n'importe quoi ici en Bénin, ta soeur de sang, tu vas la rapatrier. Est-ce que vous savez que si sa soeur était ici en Europe, sa soeur même paix, même passer les cousines, les histoires des cousines, les cousins, tout ça là, sa propre soeur était là, c'est qu'elle peut errer comme ça. C'est que même si elle est dans n'importe quel problème, sa soeur va ouvrir la porte qu'elle, tu es ma grande soeur, je t'héberge. Parce que le sang reste le sang. Le sang d'une personne reste son sang. Si sa soeur était ici en Europe, peu importe, c'est que je suis qu'elle ne est pas comme elle est là. C'est que tout ce qui arrive aujourd'hui là, c'est que même son fils qu'on a récupéré, je veux qu'elle parle de l'enlèvement, on a retiré son fils. Comme elle est instable mentalement, on allait diagnostiquer la maladie qu'elle a, l'État allait donner l'enfant à sa soeur. Ou bien le Togolais allait dire que voilà, sa soeur, il allait donner l'enfant. Le Togolais allait donner l'enfant à sa soeur. Que d'envoyer. Ça fait un an, on lui a retiré la garde. Elle a 15 plaintes ici en France. Ce que vous dites là, vous voyez, elle ne fait pas de descente. Pourquoi? Elle ne fait pas de descente.
Vous qui appelez tous les soirs, vous parlez, vous dites que Flore, quand tu réclamais ton argent, tu pleurais. Quand je réclamais mon argent, je dansais. J'étais abattue de tristesse. Ça n'a rien à voir. Elle réclame l'argent, elle montre, elle fait les bracelets, elle fait les simagris sur Facebook parce que c'est le sabotage. Si c'est moi, tu me dois. Hein? Si réellement Coco, Christo Machiavélique avait ces choses chez Lady Ponce, c'est qu'elle est couchée devant sa porte. Puisqu'elle dit qu'elle est une gangster, c'est qu'elle est couchée, c'est qu'elle lançait le direct, elle dit que, pardon, les frères camerounais, ma famille camerounais, une dame a confisqué mes affaires. Pardon, je ne peux pas aller seule. Retrouvons-nous, accompagnez-moi là-bas. Vous pensez que si Lady Ponce avait les choses de Lady, si Lady Ponce avait les choses de Coco, Lady Ponce s'assoit chez elle, les gens débarquent, même 10 personnes. Elle va dire qu'on n'entre pas porter les choses là. C'est qu'elle ne peut pas dire ça. En même temps, on la filme. En même temps, on lance le direct. Hein? On parle de quoi? On parle de quelque chose qui est ta vie. On parle des ustensiles de cuisine qui font partie de ta vie. Si ce comédien a proposé de lui donner la voiture pour elle, a dit non. Moi-même, j'ai proposé, elle a dit qu'elle veut un prêtre. Elle a dit qu'elle veut un prêtre exorciste qui va d'abord prier parce qu'il y a la sorcellerie sur ces choses. Quand les gens sont faibles, ils accusent la sorcellerie. Christo, tu es une faible personne qui n'a pas le courage. Tu es faible. Tu n'as pas de cran. Ta force, c'est derrière les réseaux sociaux. Si tu es une femme, affronte-moi en vrai. Si tu es une femme, arrive enfin, tu dis que je suis dans tel gars. Tu m'affrontes. Mais je ne veux pas en arriver là avec toi. Parce que mon but, c'est de te détourner de la star et montrer au monde entier que tu es une menteuse. C'est tout. Sinon, en réalité, je n'ai pas de problème avec toi. Oui. Mais comme tu t'attaques à une icône, on va te montrer que tu ne peux pas. Ceux qui appellent dans ton direct pour trôner le tribalisme, qu'elle laisse ces choses de bêtises. Elle n'est pas bêtise. Lady Ponce est comme, elle est une icône camerounaise. Elle chante pour tous les Camerounais. Elle ne chante pas pour une région. Je suis désolée. Vous appelez dans, vous pensez que vous appelez dans ces directs, vous insultez, je ne dors pas. C'est elle qui dort dehors. C'est elle qui squatte un coin. Moi, j'ai deux chambres. J'ai une chambre pour ma mère, j'ai ma chambre. J'ai ma salle de bain, j'ai mes toilettes et j'ai mon séjour. Est-ce que vous parlez, ça lui donne où dormir? Vous savez ce que c'est que dormir chez les gens? Même si vous, elle est là, on l'héberge encore. Dormir à l'hôtel, ce n'est pas le château. Elle a vécu déjà 3 mois à l'hôtel avant. Dormir chez quelqu'un, tu te réveilles quand tu es encore sommeil. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, tu veux passer dans le direct, maman? D'accord, attends, je mets le haut-parleur. Mais baisse le volume du récepteur là-bas chez toi. Je baisse. Mm-hmm. C'est bon? Oui, c'est bon, maman. Tu vis en Suisse, hein? Ben, je dis, c'est moi, la matin, c'est que c'est Android. Voilà. La matin, oui. Android, Marlise Akamba. Marlise Akamba installée en Suisse avec des racines. Ah oui. Voilà. J'ai suivi un bout de direct de Izezongono qui est en train de dire que le vol que tu as mis là où elle insultait son copain qu'il a mis dehors, elle a envoyé à Lady Ponce. C'est faux. Pourquoi? Mais attends, tu n'as pas besoin de me dire que pourquoi elle mange? Ça veut dire qu'elle n'a rien du tout chez Lady Ponce. Parce que elle envoie, elle ne connaissait pas encore Lady Ponce. Voilà. Maman, pardon, est-ce que tu peux baisser le volume du récepteur quand t'écoute bien? Parce que les gens sont en train de t'écouter. Quand elle envoie ce voix, elle n'habite pas encore chez Lady Ponce. D'accord. Quand elle envoie, attends, j'éteins notre téléphone. J'ai deux téléphones. Hein. Éteins l'autre, oui. Éteins l'autre, tu recommences à expliquer, pardon. Voilà. Je dis, elle dit que c'est Lady Ponce qui t'envoie ce voix. Elle oublie que ces voix ont fait le tour d'Internet il y a 2 ans en arrière. Là où elle insultait copieusement ce gars, là où elle a dit que le gars a mis
mis ces choses dans les sacs poubelles. C'est d'où on a fait le challenge avec les sacs Mbanjok sur la tête. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, exactement. Elle n'a envoyé aucun voice à Lady Force en insultant ce garçon. Parce qu'en ce moment-là, elle ne connaissait pas encore Lady Force. Il faut qu'elle arrête de mentir. Merde, c'est pas pour ça. Fille, elle ment comme ça. Elle ment comme il n'est pas permis. Elle va attirer de la compassion. Elle n'a aucune compassion avec qui que ce soit. C'est une grosse toxique. Parce que tu lui parles, comme je dis souvent, tu lui parles, tu lui demandes de chercher la maison, elle te parle de sorcellerie. Ça dit ce que la sorcellerie. Quand elle dit déjà que Lady Ponce va enterrer avec les eaux de tortue, elle va souvent avec Lady Ponce. Hein? Donc, elle a tellement ce pouvoir d'attacher tous les musiciens camerounais. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est le sabotage? C'est le sabotage. Donc, tu peux attacher si quelqu'un prend son micro pour chanter bien. Et c'est elle qui a pris à Lady Ponce chanter. Elle dit qu'elle a envoyé le voice à Lady Ponce, que son gars a dit que... Je l'ai entendu, elle a dit qu'elle était mariée. Elle a acheté le papier en Suisse. Elle n'a jamais été mariée que femme au foyer. Qu'elle arrête. Elle a donné de l'argent à ce gars. Elle dit qu'elle a en bonne relation avec ce gars. Elle peut même appeler le gars. Mais... Hein? Nous, ici, en Suisse, on est soudés. Hein? Je crois que tu as essayé de voir. Hein? Mm-hmm. Nous, on est soudés ici. Nous, on ne peut pas les choses. Là. Elle ne peut pas mettre ses pieds en Suisse. Qu'elle arrête ça. Lady Ponce, elle n'a jamais envoyé les voix. Mais moi, je ne comprends pas. Matin, Andoï, tu as compris les voix qu'elle avait envoyées à Lady Ponce pour la laver copieusement alors qu'elle vivait chez elle. Oui. Bon, mets-toi à la place de Lady Ponce. Si quelqu'un t'insulte comme ça, toi, tu vas l'ouvrir encore ta porte. Je dis que Lady Ponce, voilà. Il y a mon fils qui m'appelle. Pardon, je vais le prendre d'abord. Je l'appelle à côté. Oui, Choupi. Ça va et toi, non? Hey. Oh, Choupi, c'était ton anniversaire, mon bébé d'amour. Joyeux anniversaire. Quand mon anniversaire passe souvent ici, là, tu penses trop à mon anniversaire. Ouais, mon bébé, oh, ton anniversaire était hier. Ouais, mon enfant que j'ai accouché quand j'avais... J'étais accouché même, j'avais qu'elle a 16 ans et demi, non? Joyeux anniversaire, mon cœur. Ça te fait quel âge déjà? Ça te fait qu'elle a oublié parce qu'il est le 9 septembre. Ça te fait quel âge? Non, mais dis-moi non. Tu vois pas qu'elle vieillit déjà. 26 ans. Waouh, tu es un vieux. Hein? Waouh. Non. Toi-même, ça te dépasse déjà. Joyeux anniversaire, mon bébé. Ouais. Tu es mon bibon, non? La PDG, la mafo. Joyeux anniversaire, mon enfant. Ouais, choupier. Hein? Oui, je suis à combien, oui? Oui. D'accord. Ah, pour ton école. Ah, d'accord, je t'envoie mon avis d'imposition. Ok. Tu factures EDF, non? Ok, ça marche, je t'envoie. Je t'envoie ça tout à l'heure, tout de suite même. J'ai ça, j'ai rendez-vous tout à l'heure à la CAF même. Je t'envoie. Il est 11h. Voilà, tu as fait ton inscription. Mm-hmm. D'accord, d'accord, nounou. Je t'envoie, j'ai déjà tout. J'ai pris mon avis d'impôt, tout. Jusqu'à chez le domicile. Tout. Je t'envoie une quittance de machin là. Je t'envoie. Ouais, je t'envoie même le truc quoi. Quittance EDF, non? Ok, ça marche. Je t'envoie ça tout à l'heure. Je filme cet envoi sur WhatsApp. Joyeux anniversaire, mon bébé. Tu veux quoi comme cadeau? Oui.
Franchement, hein. Mais tu as vu les t-shirts qui étaient ramenés aux États-Unis là? Tu n'as pas aimé avec les sandales Guess. Voilà. Ok. Et vous aux États-Unis demain, je te garde. D'accord. Je t'envoie l'argent, tu t'achètes un cadeau. Ok, d'accord. Ouais, d'accord, ça marche. Ok, n'oublie pas mon anniversaire un jour. Mm-hmm. Oui, dans 2 mois. Mm-hmm. Mm-hmm. J'ai dit que je ne boule pas, non. Oui, je n'oublie pas, t'inquiète. Je sais. Ok, il n'y a pas de problème. Ok? Je t'apporte ce que tu veux. Ok, ça marche. Ok. Bisous. Désolé, nounou. J'ai oublié ton anniversaire. Pardon. Alors qu'à l'heure, si j'étais en train de marcher à l'hôpital là-bas, non. Je marchais, je faisais les tours. Tu étais dans mon ventre. Je faisais les tours. Pour... J'étais parti à l'hôpital à 5 heures. J'ai fait les tours. Là-bas, à l'hôpital d'Edo, là-bas, non. Accoucher, c'est trop dur. J'ai marché, hein, choupi. Les femmes du Cameroun, là, elles m'ont engueulé que qui t'a d'abord envoyé. Hein, j'ai marché. Hein. Oh, je te dis, j'ai souffert. Oui. Je te dis, choupi. Oh. Les femmes, les temps de manger le poisson braisé, elles m'ont bien rasé que marcher là-bas. J'ai fait le tour. Hein, tout la cour de l'hôpital des deux. J'ai fait le tour là-bas la nuit. Je te dis. Ouais, choupi, la PDG internationale, la reine mère, la patronne. Loïc, l'enfant, 1 an, tu veux déjà faire l'anniversaire, parce que tu cherches la salle, toi aussi. Eh non. Mais 1 an, tu veux déjà faire l'anniversaire, on fait l'anniversaire d'un enfant de 1 an, parce qu'on cherche la salle. Non, chou, toi aussi. Laisse-on faire son baptême, toi aussi. Ouah. Oh. 1 an, l'enfant. C'est bien de faire l'anniversaire d'un enfant de 2 ans quand l'enfant se met même déjà debout. 1 an, tu veux la fêter l'anniversaire de ta fille, mon frère. Eh, mon fils. D'accord. De toutes les façons, c'est les champomis, non? Hein? Donc, tu veux organiser la fête avec tes amis, tu dis que c'est pour fêter l'anniversaire de ta fille. Mmh. Ok, t'inquiète, on va faire, ok? Tout à l'heure, non. Maman, au moins Dieu m'a donné l'enfant qui est responsable. Il y a quelqu'un qui met les trucs, on met les têtes de mort là. Je vais te bloquer. Tu racontes quoi? Tu dis que quoi? Tu as un fils, bien sûr, j'ai un fils qui a eu 26 ans hier. Il a 2 enfants. Je suis grand-mère. Toi qui mets les têtes de... Toi qui fais les commentaires, je te bloque d'abord. Tu es même où là? Je te bloque. Et tu vas dire à ta patronne Christo que je suis dans ma chambre. Tu as compris? J'ai même la télé dans ma chambre. Et lent. La matin, André, excuse-moi, c'est parce que respecte même ton fils, non? Je te bloque. Je suis très complice avec mon fils. Tu as compris? Très complice même. Ça fait quoi si j'ai oublié l'anniversaire de mon fils? Ça peut arriver. Tu crois qu'il a un problème à ça? Tu crois que c'est... Il n'a pas de problème à ça, ma chérie. J'appelle la matin Android. Il n'a pas de problème à ça que j'oublie son anniversaire. Oui, il n'a pas de problème à ça. Ce n'est pas un problème. Donc, vos conneries là, que tu as oublié l'anniversaire de ton fils, ça peut arriver. J'ai oublié, bien sûr. Ça peut arriver, non? Donc, il n'a pas de problème avec ça. J'appelle la matin Android. La matin Android. On dit qu'on fait le challenge. Vous êtes où avec le challenge mini-jupe? Hein? Attendez, j'appelle encore la matin Android. Attendez, hein? je vais poser le téléphone. J'appelle la matin Android.
On voit seulement la chaîne. Ouais. Si vous voulez aider Cuisto, trouvez-lui un logement. Et si vous trouvez le logement, il va donc payer. Puisqu'elle ne travaille pas. Hein? Ça peut arriver d'oublier l'anniversaire, mon frère. Tu sais que depuis combien d'années elle fête son anniversaire? Attendez, pose d'abord le téléphone là. Comme ça. Voilà. Je pose le téléphone comme ça, c'est mieux. Voilà. Voilà. Oh, Cuisto! Oh, je suis dans mon lit. Maman Sarah. Ouais, je suis chez moi, oh, maman Sarah. La matin, Andoï, pardon, appelle. Je suis moi dans mon lit, oh. Si je veux, je pète, mais je suis chez moi, maman. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est bien d'être chez soi, hein, maman. Maman, je suis dans mon lit, oh. Ouais. Ils ne savent pas comment les voix. Allô, toi. Oui. Allô, ça va et toi? L'anniversaire de Choupi, j'avais oublié. Doudou. Hey, c'est ton anniversaire aussi? Oh, Doudou. Joyeux anniversaire, Lily. Joyeux anniversaire. Hein? Connasse toi-même. Joyeux anniversaire, Lily. Hein? Oh là là, j'avais oublié ton anniversaire. C'était hier, non? N'oublie pas mon anniversaire, Doudou. Ouais. Les abeilles te souhaitent joyeux anniversaire. D'accord? Les abeilles, il faut souhaiter joyeux anniversaire à Doudou. Hein. Dis merci aux abeilles. Merci les abeilles. Merci. Bisous. Les abeilles. D'accord, ça marche. Merci. Bisous. Ouais, j'avais oublié l'anniversaire de la seule antillaise camerounaise. Hein, j'avais oublié. Ouais, qui est née le même jour que mon fils. Oh là là, ma copine. Je suis désolée. Hein. Voilà. J'avais oublié. La matin, Android. Pardon, rappel, non. J'avais oublié. Vous avez vu, j'ai oublié deux anniversaires. Hier, le soleil. Je suis désolée. Hein. Ouais, j'ai oublié l'anniversaire de ma copine et mon fils. Vous voyez un peu, ça fait beaucoup. Mais bon, ça arrive. C'est pas un souci, ça peut arriver d'oublier. Hein? Voilà. Matin, Android appelle. On va t'envoyer partir travailler. On met un peu les voices. Où elle insulte, où la star lui répond. Voilà. Le voice qui lui fait mal là. Vous savez qu'il faut appuyer où ça fait mal. Cuisto a mal parce que hein, on a mis le voice où elle parle à son copain. On va remettre. Je te rappelle après, et amour de soeur. Oh, la seule unique matin Android, celle qui vit en Suisse depuis, qui retire l'argent au distributeur pendant depuis des années et rien ne fait. Ben, si je trouve le sommeil, dans l'après-midi, je vais retirer l'argent. J'ai dit, moi, je vais offrir les marmites à Custo, à Bangladesh, je lui offre les marmites. Je disais tantôt que Coco Lago. Zongono est l'incarnation du diable. Parce qu'elle ne parle que du diable, que de la sorcellerie dans sa vie. Tu lui parles que sors de ma maison, va te trouver un appartement, elle va commencer à parler de la sorcellerie. Une personne qui ne parle pas avec sa mère, qui renie son enfant, qui abandonne, elle se dit une mère, est-ce que c'est une mère ça? Pourquoi la go a été punie en ayant son enfant là? Parce que ce qu'elle a fait aux enfants depuis, tu ne peux pas le faire aux enfants. Donc, les gens qui supportent, quand elle dit que c'est Lady Ponce qui t'a envoyé le voice là, elle sait bien qu'elle n'a pas envoyé ce voice à Lady Ponce. Elle sait que ce voice est sur Facebook qu'on nous a envoyé ce voice là. Elle sait qui a envoyé ce voice là sur Facebook. Et ce n'était pas le seul voice.
quand elle insultait le gars, elle disait qu'elle a de la haine, parce que le gars l'a mise dehors. Mathilde Bon l'a mise dehors, elle a insulté Mathilde Bon. Aline Pachel, même chose, voilà, comment tu appelles, Lady Ponce. Elle veut que quand elle arrive chez toi, elle reste là, parce qu'elle voulait gagner le manoir. Elle voulait que Lady Ponce lui laisse cette maison, alors qu'elle faisait des mauvaises choses là. Voilà que tonton Jojo a dit qu'il regrette le jour qu'il a couché avec elle. Elle vient parler aux gens. Est-ce que Coco est une personne qui doit ouvrir la bouche devant les gens pour parler? Plus de 30 ans en Europe sans domicile? Merde. Sans domicile, c'est incroyable qu'elle soit sans domicile. Comment tu peux... Tu n'as pas de maison, mais tu as fait ce matériel de 70 000 euros pour aller mettre chez quelqu'un. Emma, c'est impossible. Madame, c'est impossible. Bon, je ne sais pas comment ça se passe en France. Il n'y a pas les garde-meubles là-bas où tu peux payer? Oui, il y a ça partout, non? C'est peut-être 100 euros par mois. Elle a amené chez les Dupont, c'était son garde-meuble. Hein? Qu'elle arrête ça, Coco. Tu vois comment elle a les joues là. Elle met le fond de teint et tout. Pourquoi Coco ne rentre plus chez elle? Il faut qu'elle voit son père. Elle gonfle comme le tapioca. Ses joues sont gonflées comme le tapioca. Hein? Une personne qui insulte ta mère. Jusqu'aux entrailles. Elle parle que de son père. Quand tu parles, tu aimes trop ton père là. Mais va au moins s'arranger là où on l'a enterré. Depuis qu'on l'a, on a enterré son père, elle n'a plus jamais mis les pieds là-bas. Elle ne peut pas. Elle a fui le village. Moi, j'ai dit que je lui donne, je paye son loyer un an à raison de 1 000 euros par mois. Je dépose 12 000 euros. Qu'elle trouve un appartement. Elle est ma nièce, donc elle a dit qu'elle était ma nièce. Je paye son loyer, je mets toute la toile à témoin. Quand Coco couvre un loyer, elle signe le bail. Moi, je donne de l'argent. Mais. Pourquoi elle ne peut pas le faire? J'ai dit une année. Mais est-ce que tu sais que les papiers qu'elle marche avec là en France ici, moi je dis que quand elle sera dans un truc ici en France, on va atterrir là-bas. Elle peut que se cacher. Mais il faut qu'elle arrête tout ça, qu'on pense qu'elle arrête tout ça. Elle a déjà détruit les gens, elle a détruit, parce qu'elle sait que sa vie est détruite. Elle veut faire ça à tout le monde. Non, elle est tombée là où il ne fallait pas. Ce qui me dépasse dans cette histoire, on parle, comme on dit souvent chez nous. On parle, mais je me demande comment une femme peut rester sans maison. 34. Tu vas là, tu vas habiter. Quand elle partait de chez son gars, les choses étaient dans les sacs poubelles. Elle-même l'a dit, c'est personne qui l'a dit. C'est oui. Elle-même qui sort ça de sa propre bouche. Mais déjà, chez les Dupont, tu as déjà les choses de 70 000 euros. Et les gens disent, oh, il faut lui donner, il faut lui donner. Et je demande à ces gens qui demandent qu'on lui donne ces choses qui sont, s'il y a ces choses, c'est les Mais que ces gens viennent et chercher, la, pourquoi ils ne viennent pas chercher? L'argent qu'elle a pris aux gens, la fille, la petite fille qui se marie ici en Suisse l'année passée, elle a pris son argent, 5 400 euros. Elle n'a rien fait. Pourquoi elle ne rembourse pas? Les gens à qui elle a pris les 1200, les ceci, elle ne rembourse pas. Donc, c'est elle qui doit prendre les choses des gens. Elle ne rembourse pas pour elle. C'est ce qu'on doit lui donner. Et pourquoi elle ne va pas prendre? Elle a les clés de chez Lady. Oui. Et quand Lady lui a dit d'aller chercher ces choses, pourquoi elle n'est pas allée chercher? Elle a dit qu'elle ira quand elle voudra. Elle commande qui? Tu peux me commander dans mes maisons. Mais c'est pas possible. Tu okay. commandes quelqu'un dans sa maison, ce que tu l'insultes. Tu dis que si tu tentes de plier pour mettre à la table. Quand j'ai suivi les votes, là, j'ai dit, mais attends. Moi, je savais que ça allait arriver. Parce que pourquoi une personne jalouse à un niveau où tu ne peux pas. Tu as vu ce qu'elle a fait à Carole Abena pendant ben des oui. années? Ben oui. Elle a vu là au Carole Abena. Hein? Elle a osé l'autre jour dire que félicitations à Carole Abena, que ma petite soeur Carole, félicitations pour la princesse. Tu l'entends même parler? C'est une sorcière. Elle croit que Carole peut répondre à ses félicitations. Elle ne peut jamais répondre. Elle est d'une diabète. Ben, tu as dit que tu peux aller abandonner ton enfant pour venir t'asseoir sur Facebook, insulter les gens. Hey, maman. Un enfant de 7 ans. Hein? Maman, tu n'as pas éduqué la première, tu n'éduques pas le deuxième. Et tu te dis, mère, elle est indigne. Elle est vraiment indigne. Un homme. Pas un enfant. Hey. Moins de 7 ans.
C'est pas possible. Même au Cameroun, on ne l'accepte pas. C'est pas possible. Ça dit que je suis choquée parce que quand je vois mon propre fils qui me dit, maman, tu sais, l'anniversaire de ma fille, c'est un an, c'est bientôt, je vais lui faire la fête. Je cherche la sœur. Il a eu 26 ans hier. Il va à l'école. Il est responsable. Il vit dans sa maison. Chez lui. Quand je suis partie de l'île, regarde un enfant responsable. Quand je suis partie de l'île, il m'a dit, maman, moi, je ne pars pas, je reste parce qu'il a grandi là-bas. Il a dit non, je vais partir, voilà. je vais rester chez moi. Il a ses racines là-bas. Il a ses racines, il a dit que maman, je vais rester. Mais moi, je ne comprends pas comment Coco élève ton enfant dans un cadre où l'enfant aura aussi des souvenirs, des amis. Et quel enfant peut grandir sans amis? Les enfants ont besoin d'amis dans ce pays. C'est pas possible. Comment tu peux démoraliser un enfant? Tu es avec l'équipe, tu viens insister. Elle dit qu'elle a gardé les enfants de l'équipe. Mais tu n'arrives pas à garder ton enfant, tu gardes les enfants des autres. C'est quoi? Ça n'a pas de sens. Tu vas là, tu montes, tu vas là. Toutes les, même les petites filles qui ont les 20, j'ai mes filles ici, elles sont chez elles. Quand j'arrive, je m'assois, je mange. C'est pas possible. Trouve-toi un domicile avec un enfant en France. Tu as la PL, tu as les aides. Parce que tu ne peux pas utiliser tes papiers en France. Tu as les papiers, mais tu ne peux pas les utiliser. Voilà. J'ai dit, elle a fait rapatrier sa petite soeur Esther. Ouais. Mère. Son gars va parler ce soir. Le gars de Esther va parler. Il a dit qu'il va parler. Sa petite soeur, même, elle a fait renvoyer en Afrique. La fille souffre là-bas, Esther. Voilà. Elle souffre au pays. Vous croyez qu'elle peut aimer qui si elle n'aime pas ses propres enfants? Son propre enfant, on a arraché. Le Togo l'a pris. Comment elle peut dormir alors qu'elle a un bébé de 7 ans? Un bébé, elle est là sur Facebook, elle fait le direct de 4 heures, 5 heures. Depuis que l'enfant est né, l'enfant n'a jamais eu la chambre que l'enfant te dit, maman, je vais dans ma chambre, mais jouer. L'enfant a toujours vécu chez les gens. Depuis la naissance de cet enfant. Sa sœur ne l'a jamais vu. Parce qu'elle manque, quand elle dit qu'elle a un seul enfant, je dis qu'il y a 12 ans en arrière, elle nous disait qu'elle avait une fille qui avait 23 ans. Elle a dit ça sur Facebook qui était à l'université, qui s'appelle Laetitia. Coco l'a dit. Mais tout d'un coup, elle n'a jamais accouché. Tout d'un coup, son enfant est mort dans des conditions bizarres. Et quand elle vient crier qu'elle veut les marmites, qu'elle vient chercher les marmites ici. Son enfant vit à Douala. Sa fille a dit qu'un, je vais te dire. La matin, tu sais que sa famille ne veut pas trop parler. Mais sa fille a dit que si elle voit Coco, elle peut la buter. Elle n'a jamais connu. Elle a deux enfants. Elle vit à Douala. C'est sa grand-mère qui est la mère de Coco qui l'a élevée. Et tu sais comment Coco commence encore à parler avec sa mère? C'est Lady Ponce qui fait la médiation. C'est Lady Ponce qui fait la médiation. Qu'un enfant ne peut pas dire que je ne parle jamais à ma mère. Sa mère a parlé. Sa mère a dit que Coco l'insulte jusqu'aux entrailles. Elle s'est déshabillée devant Coco. Elle s'est déshabillée, elle a maudit. C'est pour ça que cette femme est entrée dans les églises. À cause de Coco. C'est pour ça qu'elle est entrée dans les églises. Parce que tu ne peux pas accoucher un démon comme ça. Qui dit? Elle accuse son propre fils que son fils veut la tuer. Que son fils a le totem de son père. Que son père entre en transe sur son fils. Est-ce que tu entends un peu ce que cette fille dit? Tu as vu, l'enfant avait quel âge? 5 ans. L'enfant avait 5 ans. L'enfant, maintenant, elle a donné l'enfant l'année dernière. L'enfant aura 7 ans bientôt. Donc l'enfant a 6 ans. L'enfant a encore 6 ans. Elle a donné l'enfant au père parce que au tribunal, l'enfant a commencé à raconter. On a tout compris que l'enfant est déstabilisé et traumatisé. Elle n'a pas donné l'enfant exprès. On a pris l'enfant parce qu'elle est un danger. Elle est un danger pour cet enfant. Parce que le temps, on s'est rendu compte qu'elle peut se lever un matin. Elle commet même le meurtre sur cet enfant. Elle étrangle cet enfant. Elle étrangle cet enfant en disant qu'elle est en train d'étrangler son père. C'est pour ça qu'elle est perturbée. Regardez quand elle parle, ses yeux ne font pas tap-tap. Elle est perturbée, cette fille. Elle est d'une haine incroyable. Mais elle est. Elle est haineuse, elle a traumatisé les enfants de Lady Ponce. Elle aime entendre qu'elle était une grande femme, les blancs. Elle n'était rien dit donc. Pourquoi se trouve. Tu vois une fille comme elle, elle est mince, elle est le genre des blancs. Qu'elle ne se trouve même pas un blanc, un vieux blanc dans un village où elle va rester sans payer le loyer. Tu as déjà vu ça où? Mais elle va commencer à voir le hibou, le serpent blanc. Depuis que tu es née sur cette terre, tu as déjà entendu qu'un serpent est blanc? Pourquoi elle connaît que le serpent est blanc? C'est le voice, quand elle a envoyé le voice que la famille de Lady Ponce lui demande de quitter.
et qu'elle allait marabouter les dix ponts. Tu as le voice là. Il y a le voice là. Il y a le voice là, non? Pardon, il faut m'envoyer un peu. Je t'envoie, je vais t'envoyer dès qu'on finit. Oui, parce qu'il faut que les gens écoutent un peu. Oui, quand elle dit qu'elle a marabouté Lady Ponce à l'est, pas sur un petit marabout, mais sur un grand marabout. Mince. Et parce que les gens lui demandent de quitter chez Lady Ponce. Ils vont voir, les gens, ils s'amusent avec elle. Est-ce qu'elle a dit en ce temps, comment tu peux aller marabouter quelqu'un qui est sorcier, qui a le serpent blanc? Hein? Il faut que le monde entier écoute ce soir vraiment. Il faut m'envoyer les voix. Parce que tu sais que l'opinion publique a changé de côté. Les gens pensaient qu'elle réclamait vraiment quelque chose. Mais avec tous ces voices, les gens comprennent qu'elle a prémédité depuis. Mais oui. Oui, les gens ont compris qu'en fait, elle a prémédité. Donc, ce qu'elle dit là, les gens écoutent seulement pour le show. Mais on a compris la vérité. J'avais dit à l'instant que la personne que tu as chez toi là va te mordre. Tout le monde lui a dit. Elle peut te dire. Mais il faut savoir que Coco, elle a la bonne bouche. Elle sait parler quand elle veut quelque chose. Elle se soumet. Elle parle doucement, elle te fait savoir que tout le monde la déteste parce qu'elle cuisine bien. Elle te fait savoir que les gens veulent arracher son étoile. C'est elle qui nourrit tout le monde, comme c'est elle qui nourrissait toute la Suisse depuis qu'elle est partie, nous voici. Non, on va la dévoiler. Elle est malade. On va la dévoiler. Elle allait marabouter les dix ponts. Mais tu vas marabouter une sorcière quand sa famille. Comment tu peux vivre? Tu peux marabouter une femme comme toi. Au lieu d'aller marabouter les hommes, comment tu peux marabouter une femme comme toi? Je lui ai demandé, marabouter un blanc, on voit. Hein? On lui a demandé de quitter la maison de les dix ponts. Je vais t'envoyer ça. Pardon, donc, envoie Mathé Andréli. Pardon, s'il te plaît. Cherche ça, tu m'envoies, merci. Je fais écouter un peu certains voices. Je vais vous faire réécouter un peu les voix de cette fille. Comment tu peux vivre chez quelqu'un? Tu peux vivre chez quelqu'un, tu lui envoies ce genre de voice. Mais écoutez ce qu'elle envoie à son gars. Je ne vais jamais me fatiguer de mettre ces voices. Au moment où on la chasse, voilà ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle n'a pas envoyé à la star. Écoutez. Mes choses. Maman, ma soeur, même les photos de l'école de l'enfant avec ses camarades, des choses qui seront que même dans 20 ans, 30 ans, qui peut mettre dans un cadre, que moi, quand j'étais à l'école, les photos de l'école de l'enfant pliées, quand j'ai vu ça plier, je ne sais pas comment ça a pleuré. J'ai dit non, je dormais avant un démon. Sa fille est venue là à Noël, j'ai pris moins 300 euros. J'ai acheté des habits pour sa fille. Parce qu'un enfant, quand tu es avec un homme ou une femme, son enfant, c'est ton enfant. Pour que l'enfant soit bien. Je me suis bien occupée de cet enfant-là. J'ai acheté des vêtements et des chaussures pour au moins 300 euros. Avec mon argent, il n'a pas sorti un franc parce qu'il n'en a pas. Il en a peut-être, mais il garde. Tu ne peux pas tirer sur la corde comme ça. Tu ne peux pas être méchant à ce point. Mon enfant lui a fait quoi? Je le déteste. Toute ma vie, je vais le détester. C'est-à-dire, parce que quand tu peux tout faire, mais ne touche pas à mon enfant. Je n'ai pas un autre, je n'ai que celui-là. Prends mes affaires, jette, me mets dehors et tout. Tu ne prends pas les affaires de mon enfant, tu me mets dans les sacs poubelles. Je dis que je le hais. J'ai envie de l'étaler comme ça, raconter toute sa vie, comment il était en prison pour viol et tout et tout. Ça dit, ce gars-là ne me connaît. Je suis en train de réfléchir aux mauvaises choses comme ça que je vais lui faire. Il a intérêt à ce que son artiste, la Chantal, ici, ne dise pas la folle Aline Zomola, qui m'insulte sur Facebook, parce que le jour que je vais voir une insulte sur moi, sur ce qui s'est passé, que mes affaires étaient dans les sacs poubelles aujourd'hui, je vais verser, il va seulement me tuer ou bien il va payer les gens. Je vais verser toute sa vie sur Facebook. Je le jure sur la tombe de mon père, il est plus de minuit. Ce qu'il a fait, il ne sait pas. Mon nom sur Facebook dans les insultes ou bien un truc, je vais le verser. Je vais verser tout. Tout. Donc, quand je suis sortie, j'ai pris mes choses là. Attendez, je mets. J'ai mis dans le camion. Et dans le sac, je suis partie, je suis couchée. Je mange un peu en même temps. J'ai prié mon Dieu. Je demande à mon Dieu de m'apaiser le cœur, mais ça ne s'apaise pas comme ça. C'est qu'une femme pousse. Ce gars voulait me tuer comme il a tué son.
même les photos de l'école de l'enfant avec ses camarades. Des choses qui lui seront que même dans 20 ans, 30 ans. Il peut mettre dans un cadre que ouais, quand j'étais à l'école. Les photos de l'école de l'enfant pliées. Quand j'ai vu ça plier, j'ai seulement commencé à pleurer. J'ai dit non, je dormais avec un démon. Sa fille est venue là à Noël. J'ai pris au moins 300 euros. J'ai acheté les habits pour sa fille. Parce qu'un enfant, quand tu es avec un homme ou une femme, son enfant, c'est ton enfant. Il faut que l'enfant soit bien. Je me suis bien occupée de cet enfant, de cet enfant-là. J'ai acheté les vêtements et les chaussures pour au moins 300 euros. Avec mon argent, il n'a pas sorti un franc parce qu'il n'y en a pas. Il y en a peut-être, mais il garde. Tu ne peux pas tirer sur la corde comme ça. Tu ne peux pas être méchant à ce point. Mon enfant lui a fait quoi? Je le déteste. Toute ma vie, je vais le détester. C'est-à-dire, parce que quand tu peux tout faire, mais ne touche pas à mon enfant. Je n'ai pas un autre, je n'ai que celui-là. Prends mes affaires, je me mets dehors et tout. Tu ne prends pas les affaires de mon enfant, tu me mets dans les sacs poubelles. Je dis que je le hais. J'ai envie de l'étaler comme ça, raconter toute sa vie, comme il était en prison pour viol et tout et tout. Ça dit, ce gars-là ne me connaît, je suis en train de réfléchir aux mauvaises choses comme ça que je vais lui faire. Il a intérêt à ce que son artiste, la Chantal, ici, ne dise pas la folle Aline Zomola, qui m'insulte sur Facebook, parce que le jour que je vais voir une insulte sur moi, sur ce qui s'est passé, que mes affaires étaient dans les sacs poubelles aujourd'hui, je vais verser, il va seulement me tuer, ou bien il va payer les gens, je vais verser toute sa vie sur Facebook. Je le jure, sur la tombe de mon père, il est plus de minuit. Ce qu'il a fait, il ne sait pas. Mon nom sur Facebook dans les insultes ou bien un truc, je vais le verser. Je vais verser tout. Tout. Donc quand je suis sortie, j'ai pris mes choses là. J'ai mis dans le camion. Je suis partie, je suis couchée là. J'ai prié mon Dieu. Je demande à mon Dieu de m'apaiser le cœur, mais ça ne s'apaise pas comme ça. Ce gars voulait me tuer comme il a tué son ex-copine qu'il a supporté quand il était en prison. La fille est morte d'AVC. C'est ce qu'il voulait faire sur moi. Je le hais de toutes mes forces. Tu m'appelles, tu me dis que viens chercher tes affaires, tu sors de chez moi. Tu me méprises à ce point. Moi, je t'ai fait quoi? Je te dois quoi? Parce que j'ai ouvert les yeux. Hein? On va se gâter, père. Ce n'est pas fini. Hein? Ce n'est pas fini. J'ai pris tout jusqu'aux oignons. Et ce n'est pas fini. Je voulais même. J'ai même jeté des choses pour te dire. Je mettais des choses, je jetais à la poubelle. Il y a des choses, peut-être même tes médicaments sont partis à la poubelle parce que j'ai pris les choses que j'ai jetées à la poubelle exprès. Parce que si c'est le mauvais cœur, la méchanceté, la tête. Et jeté ça à la poubelle. J'ai dit mon nom. Par sa copine Chantal Aïssi, parce qu'il baise avec Chantal Aïssi. Une femme ne peut pas me détester comme ça, je lui ai rien fait, me déteste. Cherche ta maison. Elle me déteste pour rien, ça veut dire qu'ils couchent ensemble. C'est ça. Écoute. Elle ne peut pas parler parce qu'elle est mariée, lui ne peut pas parler parce qu'il a sa vie. Je vais les étaler eux tous sur Facebook. Comme s'ils vont vraiment chercher seulement pour moi, on va se faire. L'autre qui va attraper, l'autre pour tuer, va tuer. Je vais leur mon nom. Genre, on veut l'humilier ou bien m'insulter. Parce que ça a commencé les Congos, ça comment, ouais, j'habite chez son manager et tout, machin. J'ai dit qu'on va se faire ça. Je suis prête. J'ai une équipe, j'ai alerté tout le monde. Tout le monde est dégoûté. Dégoûté jusqu'au Cameroun. Mais quand quelqu'un pose ses pieds au Cameroun, là, il doit être prêt. Parce que là, quand il fait ce qu'il a fait là, il faut qu'il soit prêt avec moi. Parce qu'une femme est capable de tout. Il ne me connaît pas. Il aurait dû m'appeler, me dire de venir prendre mes choses. Je venais prendre mes choses. C'est à bord de ce véhicule que le mélodrame se déroule. Dans... Maman, les gars, comment quelqu'un qui habite chez quelqu'un, hein, on va te faire les directs. Écoutez ce qu'elle dit. Hein. Regardez, quand elle a parlé comme ça, la star a répondu. Il faut apprendre à être humble. Tu es ingrate et mal élevé. Tu n'es pas humble. C'est pour cela que tu n'as que des difficultés dans ta vie.
Tu ne reconnais même pas quand quelqu'un t'a fait du bien. Et tu ne reconnais jamais quand tu as tort. Quand tu vas apprendre à être humble, à respecter les efforts que les gens font pour toi, tu vas voir comment ta vie va évoluer. Tu es ingrate, ma chérie. Ce monsieur t'avait déjà aidé. Elle nous a dit, nous a donné la voiture. Il t'a demandé de ramener la voiture. À moi, tu m'as dit que tu ramenais la voiture dimanche. Nous sommes mardi. Et tu tiens le langage comme ça. La personne est éternelle. Nous tous, nous allons mourir. Apprends à respecter les gens. Tu ne respectes rien dans ta vie. Donc, il faut toujours laisser les histoires. Quand je vais mourir, mon fils va rester avec lui. Moi-même, je vais mourir. J'ai aussi 3 enfants. Ils vont rester. Ils vont continuer à vivre. Mes parents sont morts. J'étais un enfant. J'ai continué à vivre. Mais il faut laisser ça. Apprends à te rabaisser, apprends à dire je suis désolé. Mm-hmm. Ça manque dans ton langage. Faut arrêter un peu. Voilà. C'est la star qui a répondu. Parce que le gars, vous savez, il ne peut pas m'arrêter seulement pour faire le direct. Je dois pointer en même temps. Écoutez les choses qu'elle envoie quand quelqu'un l'a chassé. T'es tenant à Yaoundé depuis des années, 10 ans, 20 ans. T'es le terrain de la mythomanie et tout que tu racontes là. 5 ans en arrêt, tu as fait quoi? Moi, Nyango, mon mari, reine. Ntomongo Nimbani, princesse. Je suis ancrée chez toi, avec mon étoile. J'ai ma boussette, mais je suis ancrée derrière toi avec mon étoile. Anan, regarde ce que tu as bâti. Tu as sorti combien de chansons? Tu as monté un cabaret qui tourne sans aller. Tu as pu construire la maison et tout, machin truc. Que depuis des années, tu es là, on t'insultait partout. Toi, tu as dit, tu ne vois pas la personne qui est derrière toi, que tu peux faire ça parce que tu as l'esprit posé, parce que tu peux faire confiance aux gens. Dès que tu as fini de faire ça, tu vois que tu es déjà bien, tu es assise, tu veux commencer à dégager les gens comme ça. Et c'est que ce n'est pas seulement à moi, tu fais ça. Même à Yaoundé, tu fais ça aux gens même qui sont proches de toi, et c'est, je suis au courant. Voilà la preuve. Celui qui t'a aidé, Serge, qui t'a aidé à ouvrir ton cabaret là, que tu disais que vous allez vous marier. C'est sa mère qui fait ci. Et tu fais ci, tu fais ça. Tu me ramènes un autre maintenant que tu présentes que c'est déjà ton gars. Vous allez vous marier. Yeah, okay, bambite. Il bamba. Tu vas attraper le sida. Et toi, tu vas attraper quoi? Tu vas attraper la maladie dehors. Le? Tu as déjà abandonné celui-là. Oh non, il a beaucoup d'enfants. Mm-hmm. Celui-ci, il a seulement une fille. C'est lui. Il est le colonel de Paul Biya. Tu connais le nombre de colonel de Paul Biya qu'il y a dans ma famille? Ni seulement le faire part du deuil de mon oncle, le seul qui me restait. Peut-être que tu me prends parce que je suis dehors là, tu ne sais même pas de quelle famille je viens. Lis le faire part de mon oncle, le seul qui me restait. Tu vas lire les gens qui sont, tu sauras que dans la présidence là, c'est ma famille qui est assise là-bas, c'est pas dehors. Il me tape la bouche là, dehors. Même au Cameroun, tu peux me faire quoi? Les gens là, ce sont tes chauds, hein, mais moi j'ai ma famille là-bas. Les gens là, ce sont tes chauds. Je dis que tu me tentes, c'est moi-même qui vais appeler mes tantes pour leur dire que tu sois avec leur mari. Je vais te mettre le feu aux fesses. N'importe quoi. Dieu ne peut te surprendre venant de moi. Tu crois que moi, ça me surprend? Tes histoires que tu te lèves, tu me tentes là. C'est parce que tu crois que tu es avec mes ennemis. Je suis avec tes ennemis en solo, mais fais-toi une personne qui ne parle pas. Parce que toi, quand tu pars t'asseoir à mes ennemis, tu viens, tu me racontes, je suis là, je ris avec toi. Moi-même, je collabore avec tes ennemis, mais en solo. Comme je vais te frapper, tu ne vas pas me voir venir. Tu sais pas. Qui m'appelle? Va sur ce terrain, parce que depuis, elle te dit que n'entre pas sur le terrain là avec moi. Tu appelles même celle que tu dis que c'est notre mère. Si ta Lisette, elle te dit que ne fais pas ça. La fille a gardé tes enfants. La fille a soigné tes enfants. Ne fais pas ça avec ta soeur. Ne pars pas sur ce chemin-là avec ta soeur. Comme tu vas entendre que tu es une star, tu es une diva, tu commences à toucher l'argent, petite ingrate, que l'argent même. Obligé de partouzer, aller en partouze dans les trucs au bord de l'eau avec les ministres la nuit. Mm-hmm. Les réponses, tu es quoi? Tu as entendu que moi, Nyango, j'ai fait les partouzes pour avoir l'argent. Mm-hmm. Minalmi, il va te laver. Okay. Pour le laver, là, on sait qu'elle va te laver. Tout le monde attend ça. Elle va te laver parce qu'ils ont déjà attendu ça. Elle va avoir au moins 1 million de vues sur ma page. Facebook va me payer. L'argent que tu dois me payer depuis là. N'importe quoi. Encore sur ce terrain, tout seulement à mon caleçon là-bas ou bien à ma chaussure. Chez quelqu'un, Coco Mimban. Tu habites chez quelqu'un, tu lui parles comme ça. C'est ça, hein? Coco Mimban. Christo Mimban. Hein? Tu habites chez quelqu'un, tu lui parles de cette maison, c'est ma maison. Ah. J'ai les preuves. Toi, tu as une preuve que tu payes quelque chose là.
C'est un show qui prend les partis de gauche à droite. Et tout. Manque-moi, tu as un compte en France. Tu as un compte, les dipons, tu as un compte. Toi, tu as le compte, tu n'as pas l'argent. Oubliez le jongler quand hein, tu peux récupérer l'argent là-bas, tu récupères l'argent là-bas. Un verset, vous payez, tu oublies le jongler comme ça. Moi, le jongle. Tu peux publier, ok. Tu as maintenant publié, ok. Va te publier. Et c'est ça un truc. Prends ton mal en patience. Le jour qu'elle va ramasser toutes mes choses et qu'elle va sortir de là, m'installer bien, je serai déjà bien. Tu n'as même pas intérêt à faire que ma tête chauffe ou bien ma tête jette l'air ou bien que j'apprenne un truc que tes copines ou bien tes copains ont parlé dans un milieu à Paris parce que je reviens à Paris, là j'ai les oreilles partout. Je suis avec les vrais divas, les vrais stars, les vraies filles qui sont belles du pied à la tête, qui ne font pas le nyang-sang et tout. Il y a un temps ça là, je verse tout, toutes tes choses seront au courant. Mes oncles, la maman, elle veut venir au Cameroun m'asseoir chez eux, raconter même à leur femme. Tu me connais? Tu me connais? Les matelas par terre, sales, les têtes de poisson partout. Je dis que j'ai tout. Je vais mettre tout ça en public. Touche seulement à ma chose. Tu, je viens, je trouve que tu as mis ma chose ou bien la chose de mon enfant à la cave, elle dit. Touche seulement à ma chose, j'ai tout. Ça, c'est la première vidéo d'abord qu'elle t'envoie quand elle nettoyait sa pourrie maison. Voilà où tes enfants dormaient, les vieux matelas superposés. Tu partais, tu es une personne, toi. Tu achètes les choses que tu peux maintenant prendre sur le bon coin partout, que les vieux blancs sont morts, ils dorment sur ça. Que tu amènes pour que les gens dorment sur ça. Quand tu parles à qui, tu es zéro, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. C'est grâce à moi qu'en un an là, tu as pu monter tout ce que tu as monté là. 20 ans, tu as les copines, 25 ans, tu as la copine, tu as ta famille. Tu as fait quoi? Mais je suis arrivé chez toi. Un an et demi que je suis derrière toi. Tu as bâti tout ce que tu as bâti là. Tu as monté. Si tu es ingrate avec moi, Lady, je te jure que je prie le vrai Dieu. Il dit que même le feu va prendre, tu vas tout perdre et en une journée. Ne fais même pas que je me fâche contre toi. Comme je suis énervée aujourd'hui là, prie que quand je vais dormir, ma colère baisse. Je prends mon chapelet. Je dis mon chapelet, mon cœur baisse. En un an. Tu as utilisé mon étoile, mon esprit, ma force, ma bravoure pour monter tout ce que tu as monté là. Parce que j'étais derrière toi. Je te soutenais avec le bon cœur. Je buvais les cacas. Je buvais les pipis. J'ai pris mon argent. J'étais fait un anniversaire. Mon argent. J'ai préparé la nourriture. J'étais habillée pour laver ta mémoire que ton mari avait sali. Il avait mis les cacas sur toi. C'est sur moi que tu veux chier. C'est moi, sur moi que tu veux manquer de respect. Que mon Dieu te punisse. Hein? Qu'il te fasse perdre tout. Comme tu m'insultes que moi je n'ai rien là. Qu'il te fasse perdre tout. Et il va te faire perdre tout. Si tu ne me demandes pas pardon. C'est qui? Moi je ne suis même pas Dieu. Demande pardon à Dieu que ma colère baisse contre toi. Parce que ce qu'elle va te faire, le dit. Transfère le message à qui tu veux. Envoie même à Dieu dans le ciel. Il sait que c'est parce que je suis derrière toi depuis un an que tu as pu faire tout ce que tu as fait là. Maintenant, tu veux te demander même rien. Parce que dans ma vie, j'ai tout eu. Et je te dis, tu veux que ce que j'ai eu dans ma vie là, proprement, c'est un homme qui me donnait. Il n'était pas le matelas de la République que je couche avec les vieux de gauche à droite. Je couche avec les jeunes de gauche à droite. Je suis fiancée au moins avec trois gars et tout. J'avais un million qui me donne 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Et tu as quoi? Je pars au Cameroun, je fais. Je m'assois. Parce que j'ai décidé de m'asseoir, faire mon enfant quitter un peu le monde est... dehors parce que j'avais déjà abusé. Mmh. Que tu vois que toi, tu m'as rencontré, que tu peux même parler n'importe comment maintenant. Qui? Même dans ma galère là, Lady, tu m'as déjà donné 500 euros pour acheter à manger un jour. Hein? Tu peux pas c'est tout est chaud. Quand ce n'est pas Pierre qui envoie là-bas, c'est Paul qui envoie là-bas, c'est l'autre qui envoie là-bas. Le loyer, même le loyer, tu as une facture à ton nom. Hein? Mon passé va te demander au tribunal que montrez-nous un peu où le loyer est payé de votre compte. Mais moi, je vais montrer comment le téléphone est payé de mon compte et l'électricité est payée de mon compte avec mon nom. Les voisins me connaissent. On m'a vu affronter les dealers là. Les dealers, les vendeurs de drogue là, montage, ils les disent. Tu as me dit ça. Mais les armes et tout, venez avec les armes sur moi. Manqueuse. Tu fais ça à qui? Tu veux faire ça à qui? Marche avec mes ennemis, je ne te défends pas, hein. Mais ne traverse pas la ligne rouge jusqu'à ce que tu me manques de la soupe, tu me mépriser comme tu me mépriser. Tu es malade, toi. Tu es malade. Tu es arrivé quand dehors? Tu es arrivé quand? Tu as commencé à chanter hier, yeah, yeah, là, et tu es arrivé dehors. Hein? À cause de ton mari qui est mon ami, je me suis mise tous les fémans sur le dos. Mais toi, maintenant, tu as mis avec les fémans là.
et tout, tu me fais passer pour la mauvaise et tout, mais ne t'inquiète pas. Et me mettre même à genoux sur Facebook pour demander pardon à Cyclone, juste pour te montrer que je suis un serpent à 10 têtes. Vers de 18 ans, j'étais dehors, elle dit. C'est un colonel de l'armée française qui m'amène ici à Mbé. Je n'ai pas fait la pute comme tu vois là, comme toi tu es en train de faire la sale pute là. Je n'ai pas fait ça. Parce que ta position, on t'appelle matelas de la République là, c'est vrai. Il dit que ancre dans ça avec moi, touche à ma chose seulement, tu mets à la cave, comme tu as dit là, que tu vas mettre mes choses à la cave. Tu vas prier mes choses, tu vas mettre à la cave. Cette maison là m'appartient. Je vais sortir de là quand moi-même j'aurai envie. D'accord? Et je suis dehors pour chercher ma maison. Une maison qui me convienne. Depuis que tu es parti. Pour contenir toutes mes affaires. Je viens là, je trouve que mon verre est cassé. Coco, il est parti. Une assiette cassée. Je vais depuis que tu es dehors, que tu cherches la maison, tu n'as pas encore trouvé. Toutes les cuillères, tu n'as pas. Depuis toutes plus les cuillères, tout ce qui est là m'appartient. Ce que tu allais porter dernièrement dans les brocantes, les choses des vieux blancs là, que tu as déposé chez toi partout, partout là. Et tous les trucs à 10 euros, 5 euros. Toi, tu es une fille, toi. Tu as vu mes assiettes, c'est du vieux et boc. Ce que tu utilises pour nourrir ton show que tu as ramené du Cameroun, c'est 100 euros l'assiette. Va taper sur internet, tu regardes. Tu vas regarder. Collection, Villeroy et Box, c'est 100 euros l'assiette. Toi, tu peux me parler? Tu habites chez moi, tu hein? Peux, te casses les dents. N'importe quoi. Une personne reste enfermée avec ses enfants. Oui, imagine, soyez le Covid à ton enfant. Le Covid, tu es médecin. Coco Mimban, tu sois le Covid, tu es médecin. La seule qui a fait la charge de ton fils qui avait le Covid. Tu es médecin. J'ai mis ma vie en danger pour tes enfants. Hein? Que Dieu te punisse. Ou bien que ton mets ta vie en danger pour bébé ange en voix. Cette chouette, cette vieille chouette. Tu as mis ta. Donc tu mets ta propre. J'ai un sérieux problème. Attends. On va arrêter un peu. On va arrêter un peu. Donc toi, tu mets ta vie en danger pour les enfants. Donc tu aimes les enfants et les dis pas plus que bébé ange qu'on a arraché. Hein? Tu vis chez moi. Je te parle le matin. Je n'ai rien. Aucun maquillage, rien. Je te dis que je vais me lever ici aux toilettes et parler de toi. Donc, ton fils même, on a arraché. Mais tu dis que tu as mis ta vie en danger. Mets ta vie en danger. Tu peux récupérer bébé Ange chez son père. On voit. Hein? La maison de quelqu'un t'appartient. Tu es malade, toi? Hein? Les gens qui te soutiennent là, tu auras combien dans ton litchi? Même avec ça, tu ne feras rien. Avec tout ce qu'on t'a donné, Samuel est tout acheté, mamie. On t'a donné le capital. On t'a donné. Tu es sorti de chez nous. Donc depuis là, tu tournes là, tu n'as pas toujours de maison. Je pensais que tu cherchais ta maison. Et là, tu vis chez moi, tu me parles sur ce ton. Tu as le. Attendez, je vais mettre le truc au fond. Maintenant, Yaoundé, depuis les années, 10 ans, 20 ans. T'es le terrain de la mythomanie et tout que tu racontes là. 5 ans en arrêt, tu as fait quoi? Moi, Nyango, mon mari, Nyango, princesse, je suis entrée chez toi avec mon étoile. J'ai ma boussette, mais je suis entrée derrière toi avec mon étoile. En un an, regarde ce que tu as bâti. Tu as sorti combien de chansons? Tu as monté un cabaret qui tourne sans allure. Tu as pu construire la maison de l'étoile. Que depuis des années, tu es là, on t'insulte. C'est toi qui l'as pris à chanter. Tu as dit, tu ne vois pas la personne qui est derrière toi, que tu peux faire ça parce que tu as l'esprit posé. Parce que tu peux faire confiance aux gens. Dès que tu as fini de faire ça, tu vois que tu es déjà bien, tu es assise. Tu vas commencer à dégager les gens comme ça. Et c'est que ce n'est pas seulement à moi, tu fais ça. Même à Yaoundé, tu fais ça aux gens même qui sont proches de toi. Et c'est aussi au courant. Voilà la preuve. Celui qui t'a aidé, Serge, qui t'a aidé à ouvrir ton cabaret là, que tu disais que... Vous allez vous marier. C'est sa mère qui fait ci. Et tu fais ci, tu fais ça. Tu me ramènes un autre maintenant que tu présentes que c'est déjà ton gars. Vous allez vous marier. Il est à qui bambite. Il bamba. Tu vas attraper le sida. Regarde. Tu vas attraper la maladie dehors. Elle peut m'envoyer 100 gars. Tu as abandonné celui-là. Oh non, il a beaucoup d'enfants. Mm-hmm. Celui-ci, il a seulement une fille. C'est lui. Il est le colonel de Paul Biya. Tu connais le nombre de colonel de Paul Biya qu'il est dans ma famille? Ni seulement le faire part du deuil de mon oncle, le seul qui me restait. Peut-être que tu me prends parce que je suis dehors là, tu ne sais même pas de quelle famille je viens. Lis le faire part de mon oncle, le seul qui me restait. Tu vas lire les gens qui sont, tu sauras que dans la présidence là, c'est ma famille qui est assise là-bas. C'est pas dehors. Tu me tapes la bouche dehors. Même au Cameroun, tu peux me faire quoi? Les gens là, ce sont tes chauds, mais moi j'ai ma famille là-bas.
Les gens là se sont fait chaud. Il dit que tu me tentes, c'est moi-même qui vais appeler mes tantes pour leur dire que tu vas avec leur mari. Je vais te mettre le feu aux fesses. N'importe quoi. Dieu ne peut te surprendre bien venant de moi. Tu crois que moi ça me surprend? Tes histoires que tu te lèves, tu me tentes là. Parce que tu crois que tu es avec mes ennemis. Je suis avec tes ennemis en solo, mais tu es une personne qui ne parle pas. Parce que toi, quand tu parles, t'assois avec mes ennemis, tu viens, tu me racontes. Pa, 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 pa. Je suis là, je ris avec toi. Qui m'appelle? Qui m'appelle là? On va s'asseoir avec tes ennemis, comme tu dis. Hmm? Tu habites chez moi. Qui m'appelle là? Quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un m'a appelé. Je veux voir. Voilà. Ah ah. Tu insultes une personne et tu habites là-bas. Si quand était un homme blessé quand il est parti sur les réseaux sociaux, il a utilisé un terme parce qu'il était en colère, mais attention. La famille de Lady est en train de me demander de partir. Les gens sont vraiment bêtes jusqu'à. Les gens sont bêtes. Moi, j'ai carrément marabouté les dipos. Allez, laisse là-bas. Ce n'est pas petit sorcier, mais un grand sorcier. Un grand sorcier. Tous ces gens-là vont voir. Tout ça, c'est une jalousie. Les chantants, là, ici, derrière la sorcière. Écoutez ce voice, hein. Je ne sais pas si vous avez écouté ce voice où elle entre et dit qu'elle a marabouté les 10 ponces. Écoutez encore bien. Écoutez encore bien. Tous à l'Olympia le 10 septembre. Écoutez bien. Si quand était un homme blessé, quand il est parti sur les réseaux sociaux, il a utilisé un terme parce qu'il était en colère. Mais attention, il faut arrêter. Parce que les gens prennent jusqu'à. La femme là, elle me met un prône jusqu'à. La famille de Lady est en train de me demander de partir. Les gens sont vraiment bêtes jusqu'à. Les gens sont bêtes. Moi, j'ai carrément marabouté les dipos. Allez, laisse là-bas. Parce qu'on te demande de partir. On va remettre ça ce soir, mais en attendant, écoutons un peu. Quelqu'un peut habiter chez vous. Hein? Écoute ce que tu parles. On va remettre ça ce soir, mais en attendant, écoutons une personne. Ça dit que tu habites chez quelqu'un. Tu habites chez quelqu'un, mais on te demande de partir. Même le marabout t'a menti. Hein? Même 100 fois, le monde entier doit savoir. Tu as tes choses chez moi. Les dieux même trop gentils. Tu vis chez moi, tu me fais ça, je te brûle publiquement. C'est parce qu'elle est une star. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Les langues. T'es tenant à Yaoundé depuis des années. 10 ans, 20 ans. T'es le terrain de la mythomanie et tout que tu racontes là. 5 ans en arrêt, tu as fait quoi? Moi, Nyango, mon mari, viens. Princesse, je suis ancrée chez toi, avec mon étoile. J'ai ma boussette, mais je suis ancrée derrière toi avec mon étoile. Anan, regarde ce que tu as bâti. Tu as sorti combien de chansons? Tu as monté un cabaret qui tourne sans à l'heure. Tu as pu construire la maison et tout machin truc. Que depuis des années, tu es là, on t'insultait partout. Toi, tu as dit, tu ne vois pas la personne qui est derrière toi, que tu peux faire ça parce que tu as l'esprit posé. Parce que tu peux faire confiance aux gens.
Dès que tu as fini de faire ça, tu vois que tu es déjà bien, tu es assise, tu veux commencer à dégager les gens comme ça. Et c'est que ce n'est pas seulement à moi que tu fais ça. Même à Yaoundé, tu fais ça aux gens même qui sont proches de toi. Et c'est aussi au courant. Voilà la preuve. Celui qui t'a aidé, Serge, qui t'a aidé à ouvrir ton cabaret là, que tu disais que vous allez vous marier. C'est sa mère qui fait ci. Et tu fais ci, tu fais ça. Tu me ramènes un autre maintenant que tu présentes que c'est déjà ton gars, vous allez vous marier. Il est accueilli bambité. Il bamba. Tu vas attraper le sida. Tu vas attraper la maladie dehors. Tu as déjà abandonné celui-là. Oh non, il a beaucoup d'enfants. Celui-ci, il a seulement une fille, c'est lui. Il est le colonel de Paul Biya. Tu connais le nombre de colonel de Paul Biya qu'il est dans ma famille? Lis seulement le faire part du deuil de mon oncle, le seul qui me restait. Peut-être que tu me prends parce que je suis dehors là, tu ne sais même pas de quelle famille je viens. Lis le faire part de mon oncle, le seul qui me restait. Tu vas lire les gens qui sont, tu sauras que dans la présidence là, c'est ma famille qui est assise là-bas, c'est pas dehors. Tu me tapes la bouche là, dehors. Même au Cameroun, tu peux me faire quoi? Les gens là, ce sont tes chauds, hein? Mais moi j'ai ma famille là-bas. Famille les gens là, ce sont tes chauds. Il dit que tu me tentes, c'est moi-même qui vais appeler mes tantes pour leur dire que tu sois avec leur mari. Je vais te mettre le feu. Et là, femme de ménage, avec le sang prouvé à la tête. Moi-même, je collabore avec tes ennemis, mais en solo. Comme je vais te frapper, tu ne vas pas me voir venir. Tu sais pas. Va sur ce terrain parce que depuis, je te dis que n'entre pas sur le terrain là avec moi. Tu appelles même celle que tu dis que c'est notre mère. Si t'as lisé, elle te dit que ne fais pas ça. La fille a gardé tes enfants. La fille a soigné tes enfants. Ne fais pas ça avec ta soeur. Ne parle pas sur ce chemin là avec ta soeur. Comme tu vas entendre que tu es une star, tu es une diva. Tu ne manques pas de ménage. Obligé de partout, c'est aller en partout dans les trucs au bord de l'eau avec les ministres la nuit. Ah, ton travail en France. Tu as entendu que moi, on allait faire partout pour avoir l'argent. Mais tu es femme de ménage, chienne. Je vais te laver. Imbécile. 35 ans, femme de ménage, toujours. Qui est la femme de ménage professionnelle? Et là, Facebook va me payer. Voilà ce que tu fais. Que tu vas me payer depuis là. Ah bon, hein? Femme de ménage. Tout seulement à mon caleçon là-bas. Tu parles pas à ta patronne. J'ai les preuves. Ouais. Quand tu as une preuve que Adama, tu fais quelque chose là, c'est tes chauds qui paient les factures de gauche à droite. Opata. Et tout. Moi, tu as un compte en France. Opata. Tu as un compte, les dépenses. Tu as un compte. Ah, oubliez le jongleur quand tu pars récupérer l'argent là-bas, tu récupères l'argent là-bas, en train de verser, vous payez, tu oublies le jongleur comme ça. Tu veux publier, ok, tu as maintenant publié, ok, va te publier. Et c'est ça un truc que prends ton mal en patience. Le jour qu'elle va ramasser toutes mes choses et qu'elle va sortir de là, m'installer bien, me serait déjà bien. Tu n'as même pas intérêt à faire que ma tête chauffe ou bien ma tête jette l'air ou bien que j'apprenne un truc. Tes copines ou bien tes copains ont parlé dans un milieu à Paris parce que je reviens à Paris, là, j'ai les oreilles partout. Je suis avec les vrais divas, les vrais stars, les vraies filles qui sont belles du pied à la tête, qui ne sont pas le Njangsang. Et tout. J'entends ça là, je verse tout. Toutes tes choses seront au courant. Mes oncles, la maman, elle veut venir au Cameroun m'asseoir chez eux, raconter même à leur femme. Tu me connais? Hein? Tu me connais? Tu es qui? Tu es qui? Là par terre, sale, les têtes de poisson partout. Tu es qui? Il va mettre tout ça en public. Touchement à ma chose. Tu, je viens et trouve que tu as mis ma chose ou bien la chose de mon enfant à la cave, les dit. Doucement à ma chose, j'ai tout. Ça, c'est la première vidéo d'abord qu'elle t'envoie quand elle nettoie ta pourrie maison. Voilà où tes enfants dorment. C'est normal que tu les sois, non? Tu pars, tu es une personne, toi. Tu es une femme de ménage. Les choses que tu prends maintenant, prends-le sur le bon coin partout, que les vieux blancs sont morts, ils dorment sur ça. Que tu amènes pour que les gens dorment sur ça. Toi, tu pars là. Tu es zéro, tu ne vaux rien. 105 ans, toujours femme de ménage. Et là, tu as pu monter tout ce que tu as monté là. 20 ans, tu as les copines. 25 ans, tu as la copine. Tu as ta famille. Tu as fait quoi? Mais je suis arrivé chez toi. Un an et demi que je suis derrière toi. Tu as bâti tout ce que tu as bâti là. Tu as monté. Si tu es ingrate avec moi, j'ai dit, je te jure que je prie le vrai Dieu. Il dit que même le feu va prendre, tu vas tout perdre et en une journée. Ne fais même pas que je me fâche contre toi. Comme je suis énervée aujourd'hui là, prie que quand je vais dormir, ma colère. Tu fais le ménage, tu es énervée. Je prends mon chapelet. Je tire mon chapelet, mon cœur baisse. En un an. Malchance. J'ai utilisé mon étoile, mon esprit, ma force, ma bravoure pour monter tout ce que tu as monté là. Parce que j'étais derrière toi. Ah je bon? Je te soutenais avec le bon cœur. Je buvais les cacas. Je buvais les pipis. J'ai pris mon argent. Il était fait un anniversaire. Mon
argent, j'ai préparé la nourriture, j'étais habillée. Pour laver ta mémoire, quand ton mari avait sali, il avait mis les caca sur toi. C'est sur moi que tu veux chier. C'est moi, sur moi que tu veux manquer de respect. Comment Dieu te punisse. Qu'il te fasse perdre tout. Quand tu m'insultes, comme moi je n'ai rien là. Qu'il te fasse perdre tout. Et il va te faire perdre tout si tu ne me demandes pas pardon. Moi, je ne suis même pas Dieu. Hein. Demande pardon à Dieu que ma colère pèse contre toi. Parce que ce qu'elle va te faire, Lady, transfère le message à qui tu veux. Envoie même à Dieu dans le ciel. Il sait que c'est parce que je suis derrière toi depuis un an que tu as pu faire tout ce que tu as fait là. Maintenant, tu ne te demandes même rien. Parce que dans ma vie, j'ai tout eu. Et je te dis, tu veux que ce que j'ai eu dans ma vie là, proprement, c'est un homme qui me donnait. Il n'était pas le matelas de la République que je couche avec les vieux de gauche à droite. Je couche avec les jeunes de gauche à droite. Je suis fiancée au moins avec 3 gars et tout. J'avais un million qui me donne 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Je pars au Cameroun, je fais. Je m'assois. Parce que j'ai décidé de m'asseoir, faire mon enfant quitter un peu le monde dehors parce que j'avais déjà abusé. Que tu vois que toi, tu m'as rencontré, que tu peux même parler n'importe comment maintenant. Même dans ma galère, là, Lady, tu m'as déjà donné 500 euros pour acheter à manger un jour. Hein? C'est toujours tes choux. Quand ce n'est pas Pierre qui envoie là-bas, c'est Paul qui envoie là-bas, c'est l'autre qui envoie là-bas. Le loyer, même le loyer, tu as une facture à ton nom. Hein? Mon pasteur va te demander au tribunal que montrez-nous un peu où le loyer est payé de votre compte. Mais moi, j'avais montré comment le téléphone est payé de mon compte et l'électricité est payée de mon compte avec mon nom. Les voisins me connaissent. On m'a vu affronter les dealers là. Les dealers, les bandits de drogue là, montagis, les dit. Tu as me dit ça. Mais les armes et tout, venez avec les armes sur moi. Tu fais ça à qui? Tu veux faire ça à qui? Marche avec mes ennemis, je ne te défends pas. Hein. Mais ne traverse pas la ligne rouge jusqu'à tu me manquer de reste ou bien tu me mépriser comme tu me méprises. Tu es malade, toi. Tu es malade. Tu es arrivé quand dehors? Tu es arrivé quand? Tu as commencé à chanter hier, hier, là, et tu es arrivé dehors. Hein? À cause de ton mari qui est mon ami, je me suis mise tous les femmes sur le dos. Mais maintenant, tu es amie avec les femmes là. Et tout, tu me fais passer pour la mauvaise. Et tout. Mais ne t'inquiète pas. Et même mettre même à genoux sur Facebook pour demander pardon à Cyclone, juste pour te montrer que je suis un serpent à 10 têtes. Faire de 18 ans, j'étais dehors, les dit. C'est un colonel de l'armée française qui m'amène ici en main. Je n'ai pas fait la pute comme tu vois là, comme toi tu es en train de faire la sale pute là. Je n'ai pas fait ça. Parce que ta position, on t'appelle matelas de la République là, c'est vrai. Et dis que ancre dans ça avec moi. Touche à ma chose seulement, tu vas à la cave comme tu as dit là, que tu vas mettre mes choses à la cave. Tu vas prier mes choses, tu vas mettre à la cave. Cette maison là m'appartient. Mm-hmm. Je vais sortir de là quand moi-même j'aurai envie. Ah bon, ouais. D'accord. On t'a cherché. Je suis dehors pour chercher ma maison. Une maison qui me convienne, qui peut contenir toutes mes affaires. Je viens là, je trouve que mon verre est cassé. Je vais facturer ça. Une assiette cassée, je vais facturer. Tu n'as pas les assiettes où tu es là. Tes assiettes, c'est les verres rouges. Même les cuillères, tu n'as pas. Toutes les cuillères, tout ce qui est là m'appartient. Ce que tu allais porter dernièrement dans les brocantes, les choses des vieux blancs là, que tu as déposé chez toi partout, partout là. Et tous les trucs à 10 euros, 5 euros. Toi, tu es une fille, toi. Tu as vu mes assiettes, c'est du virin et boc. Ce que tu utilises pour nourrir ton show que tu as ramené du Cameroun, c'est 100 euros l'assiette. Va taper sur internet, tu regardes. Tu vas regarder. Collection virin et boc, c'est 100 euros l'assiette. Toi, tu peux me parler? Hein? On ne te parle pas que tu es. N'importe quoi. Une personne reste enfermée avec tes enfants. Oui, bah, j'ai soigné le Covid à ton enfant. Ton fils a eu le Covid. Était la seule qui entrait dans sa chambre. Mais tu penses. La seule qui entrait dans la chambre, ton fils qui avait le Covid. J'ai choqué. J'ai mis ma vie en danger pour tes enfants. Que Dieu te punisse. Ou bien que ton diable que tu pries là te punisse. Qu'il te prenne, tu pries en affaire. N'importe quoi. Ok, vous voyez les gens. Une personne fait tout pour être gentille avec toi. Il t'a dit qu'il était prise comme une petite soeur. J'ai pris les coups pour toi. Aucun de tes enfants ne va dire que je l'ai maltraité là. Les enfants sont malades, je ne dors pas la nuit, je me lève. Les enfants vomissent, je pars ramasser les vomissures des enfants. L'autre a le Covid, c'est moi qui ancre la main dans ma chambre, je le soigne. Lady Pons, c'est toi qui peux te lever, tu me parles à moi, Nyangone. Tu es qui? Hein? Tu es qui? Tes enfants ont eu leur première rêve de Noël, c'est moi, Nyangone. Tu veux envoyer l'argent à Noël? Tu as acheté le cadeau à deux enfants. Angel, tu as acheté le cadeau. Marcel, tu as acheté le cadeau. Tu as commencé ta sorcellerie là depuis décembre sur les enfants. Et là, j'ai acheté un arbre de Noël, j'ai fait à manger pour que les enfants aient.
ouvre la bouche sur moi. Mais tu es malade. C'est toi qui as un sérieux problème. Moi, je vais très bien. Hein. Je vais très bien. C'est toi qui as un sérieux problème. Et je te dis qu'après moi, quand il va sortir de ta vie là, change avec les gens. Parce que tout le monde n'est pas comme moi. Tu as une personne que tu vas aller faire comme tu fais là, qui va finir avec moi. Travail 35 ans. 34 ans de mec. Qui m'appelle? Hein? Oh, je suis occupée. Oh, je suis en train de faire le ménage chez ma patronne. Oui, je suis chez Lady, je fais le ménage. C'est ma patronne. C'est ma patronne maintenant. Elle lang. On travaille 150 ans, mais. Tu vas travailler plus que ça. Tu vas passer ta vie à faire que le ménage pour avoir où dormir. Et l'ambine, si les mêlés, l'ambine des autres. Tu comprends? Femme de ménage, tu parles fort quand tu travailles chez quelqu'un. Tu parles fort à ta patronne. Tu as dit que j'ai dit que Lady était ta patronne, bien sûr. Et bam, bam, tu es très ingrate. Ah. Maintenant, les Togolais que tu as pris, que tu avais eux dans ta maison là. Et là. Alors là, ça va sans dire que tu manges ce que tu aimes là. C'est ça qui va te finir. Comme tu aimes l'ingratitude là. Tu es maintenant avec le type de truc que tu montes, tu descends, c'est lui et tout. Quand tu vas disparaître, que là, tu vas bloquer ton téléphone, il t'écrit même, tu ne réponds plus. Tu ouvres ta grande gueule là et tout machin, tu vas dire, il va te finir. Comme il entre chez toi là, il met ses tentacules. Il entre chez toi. N'oublie pas que j'ai un enfant chez eux. Ne l'oublie jamais. C'est parce que le père de mon enfant est loin. Le jour qu'il va voir son frère, il va tout dire à son frère. C'est toi qui auras honte. C'est toi qui auras honte. Mimbang, te voici. Pourquoi tu veux m'amener là? Donc voilà. Ne pourra pas, ne pourra pas sortir de sa tombe pour me contenir. Je descends le sac poubelle de Mimbang. Tu es loin de moi. Tu attends seulement, tu pries seulement ton diable ou bien tes démons. Pour que je vienne récupérer mes affaires, qu'il n'y ait même pas d'accrochage ou bien qu'on ne se chamaille pas. Parce que je suis avec la haine, la rage. La rage. Donc tu me fiches la paix, tu me laisses dans mon coin tranquille. Ah bon, hein? Fais mes choses tranquillement. Tu ne me mets même pas la pression. Quand on ne met pas la pression. Pas. Parce que moi, je n'ai pas honte de te le dire en face ou bien de t'avertir face à face. À ton âge. Et personne ne va m'arrêter. Hein? Je dis qu'une personne. Coco Mimbang. Les Mimbang. Donc, prie tes démons. Mimbang. Prie ou ta secte où tu es parti en hein? Et tout. Quand tu t'en fous de tout, tu balais tout. Tout le monde peut entrer dans ta secte là. Le dit. Bon, tout le monde peut devenir pire que toi. Bon, tu peux avoir la maison de toi. Il peut devenir pire que toi, il peut faire les mauvaises choses dehors que tu ne connais même pas. Tu as déjà fait. Donc, prie ton diable ou bien prie ton quoi que je viens seulement porter mes choses de chez toi. T'as pensé, j'ai tout de toi, Lady. J'ai tout de toi. Tu peux faire les points avec tout le monde, mais pas avec moi. Et tu le sais. Donc, ne me tente même pas parce que je suis un passage de ma vie là même qu'il ne faut pas. Quand tu étais il y a un an là que tu t'en foutais, mais même si les enfants sont malades, même quoi, tu t'en foutais. Parce que je voulais t'en sortir. Moi-même, je suis sur ce passage-là maintenant. Je suis sur la même route-là. Donc, tu te mets sur ma route ou tu me mets comme tu m'as fait la semaine dernière. Je me suis retrouvée dans les problèmes. J'ai les contrats que je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu honorer à cause de toi, à cause de tout ce que tu m'as fait subir la semaine prochaine. Donc, où je suis là, j'ai la rage contre toi, je te le dis. J'ai la rage. Je prie pour que mon démon ne sorte pas. Donc, fiche-moi la paix où tu es là. Puis que je trouve la maison et tout, je viens porter mes affaires tranquillement. Sinon, tu vas faire quoi? Je sors de là. La veuse d'assiette. Moi, je ne suis pas Sikwan parce que quand Sikwan disait qu'il va te détruire, il va te faire que tout, je le voyais comme le démon. Lui-même, il veut le chercher, il a dit que j'ai signé les papiers de divorce, que tu as fait le faire là, que personne n'est au courant. Il va même mettre sur Facebook, il va dire ça à tous les Camerounais. Là, tu t'amuses avec lui. Tu vois que Facebook, c'est quoi? Je me tentais après m'avoir pourri la semaine, toute la semaine dernière que je n'ai pas pu honorer un marché que j'ai honoré depuis des mois ensuite à cause de toi, à cause de ce que tu m'as fait, que tu pouvais coincer, monter, descendre et tout, machin, tout partout. Où tu es là, hein? Faut prier Dieu. J'appelle d'abord ton cousin, maintenant j'appelle la
T'es comme une bonne femme de ménage. Ouais, oh, c'est comment, non? Mais une bonne femme de ménage. Toi, vas-y. Tu laves les assiettes chez ta patronne. Tu vas sauf que laver les assiettes toute ta vie. Il go wash pan. Na ya job. Il go so wash de pan. Tu as compris? Tu as déjà fini de nettoyer. Maintenant, tu vas laver les assiettes. D'accord, Mimban? Coco Mimban. Maintenant que tu as fini là, maintenant, c'est les assiettes maintenant qu'il faut laver. Coco Mimban, femme de ménage. Alors, le travail que tu faisais. C'est bien pour avoir où dormir. 35 ans demain. Tu peux faire le ménage plus que tu dis que laver les assiettes. Hein? Voilà le travail que tu faisais. Coco Mimban, tu laves les assiettes. Te voici, tu fais le ménage. Voilà. Tu laves chez ta patronne 50 ans de laveuse d'assiettes. Amen. Sans salaire. Ton salaire, c'est où dormir? Te voici. Mimban. Coco Mimban, bonne. Bonne à tout faire. Tu laves les assiettes. Oh, ha. Tu étais laveuse d'assiettes. Oh, il nous dit shame. Laveuse d'assiettes aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà ton travail. Tu ne mérites pas mieux que ça. Tu as compris? Là, je lave, je suis chez moi. C'est normal. Tu lavais chez la patronne. J'espère que tu frottais bien, hein? Coco Mimban, on trempe les assiettes et on frotte. On lave les assiettes avec l'eau tiède. On lave et on rince. Coco Mimban. Coco Mimban. Cuisto. Hein? Voilà comment on lave les assiettes. Le seul travail, laver et dormir, ça t'a dépassé. Je vais parler que wow. Lucie somme son mou non maman. Lucie non maman. Aime-toi maman. Il est à midi. Coco Mimban, je t'insulte de faire mon ménage. Je me suis levée, j'ai commencé avec ton nom. Je suis toujours avec ton nom, mais je suis en train de travailler. Même ça dit que pendant que je te lave et je te rince, mais que pendant qu'on ne peut pas laisser aussi comme ça, attendez, écoutez comment elle parle à sa patronne. Je ne me fatiguerai jamais, le Cameroun entier. Écoutez, c'est toi qui me pousse à bout. Écoutez, pendant que tu veux m'amener là, même mon père ne pourra pas sortir de sa tombe pour me contenir. Si tu connais, mets-toi seulement loin de moi. Tu attends seulement, tu pries seulement ton diable ou bien tes démons pour que je vienne récupérer mes affaires, qu'il n'y ait même pas d'accrochage ou bien qu'on ne se chamaille pas. Parce que où je suis, j'ai la haine, la rage. La rage. Donc tu me fiches la paix, tu me laisses dans mon coin tranquille. Fais mes choses tranquillement. Tu ne me mets même pas la pression. Hey. Elle habite chez quelqu'un, pas de pression. Tu ne me tentes même pas. Parce que moi, je n'ai pas honte de te le dire en face ou bien de t'avertir face à face. Et t'avertir. Et personne ne va m'arrêter. Je dis bien personne. Donc, prie tes démons ou bien prie ou ta secte où tu es parti entrer là. Et tout. Que tu t'en fous de tout, tu balais tout. Tout le monde peut entrer dans ta secte là. Le dire. Tout le monde peut devenir pire que toi. Moi, je peux le devenir. Il peut devenir pire que toi. Il peut faire les mauvaises choses dehors que tu ne connais même pas. Donc, prie ton diable ou bien prie ton quoi que je vienne seulement porter mes choses de chez toi. T'as passé, j'ai tout de toi, Lady. J'ai tout de toi. Tu peux faire les points avec tout le monde, mais pas avec moi. Et tu le sais. Donc, ne me tente même pas parce que je suis un passage de ma vie là, même qu'il ne faut pas. Comme tu étais il y a un an là, que tu t'en foutais, même si les enfants sont malades, même quoi, tu t'en foutais parce que tu voulais t'en sortir. Moi-même, je suis sur ce passage là maintenant. Je suis sur la même route là. Donc tu te mets sur ma route ou tu me mets comme tu m'as fait la semaine dernière. Je me suis retrouvée dans les problèmes. J'ai les contrats que je n'ai pas pu honorer à cause de tout, à cause de tout ce que tu m'as fait subir la semaine prochaine. Donc où je suis là, j'ai la rage contre toi et je le dis. J'ai la rage. Je prie pour que mon démon ne sorte pas.
Dirige-moi la paix où tu es là. Puis que je trouve la maison et tout, je viens porter mes affaires tranquillement. C'est toi qui dois prier pour avoir la maison ou c'est quelqu'un d'autre qui doit prier? Où je t'ai décrit. Moi, je ne suis pas Cyclone, parce que quand Cyclone disait qu'il va te décrire, il va te faire que tout, je le voyais comme le démon. Lui-même, il va le chercher, il va dire que j'ai signé les papiers de divorce que tu as en train de faire là, que personne n'est au courant. Il y a même maître sur Facebook, il va dire ça à tous les Camerounais. Mais tu t'amuses avec qui? Un lundi matin, tu me tentes. Lundi matin, tu vas me tenter après m'avoir pourri la semaine, toute la semaine dernière, que je n'ai pas pu honorer un marché que je devais honorer depuis, depuis des mois ensuite à cause de toi, à cause de ce que tu m'as fait. Je me suis retrouvé coincé, monté, descendre et tout, machin, tout partout. Où tu es là, hein? Faut prier Dieu. J'appelle d'abord ton cousin maintenant, j'appelle d'abord tout le monde, j'avertis parce que quand elle va encore chanter avec toi, qu'on ne dise pas que je suis mauvaise. Ben, c'est toi qui me cherches, c'est toi qui me pousse à bout. Mais fous-moi la paix. Ça veut dire qu'elle ne vient pas chez toi. Tu es là, elle cherche à partir. Hein. Ne me fais pas genre, tu vas raconter comme tu racontes les gens qu'elle est chassée. Toi, tu peux me chasser. Il y a quoi chez toi? Parce que tu achètes les assiettes maintenant, tu achètes les trucs. Tu avais les draps chez toi, ou bien les plats, ou bien les assiettes. Hein? La maison, là, tu es propriétaire, tu payes 1025 euros. Tu parles comme si peut-être elle ne paye pas les factures. Là, tu donnais quoi pour tes enfants? 200 euros, 300 euros pour la nourriture par mois. Bon, j'ai un papier, j'ai tout, ça va tout sortir. Je dis, ne me parle jamais, ne me n'entre pas sur ce terrain avec moi. Non, que je suis celle qui ne faut pas entrer sur le terrain là avec moi. Hein. N'entre pas sur ce terrain là avec moi, s'il te plaît. Te le dis là, mais lundi matin. Non, et puis si ta lisane n'est pas ton mouton, que tu l'utilises seulement quand tu veux qu'elle fasse quelque chose pour toi. Même le remède de son mari, quand tu amènes au Cameroun, tu es incapable d'aller donner le remède à ce monsieur. Tu es une ingrate. Tu es une ingrate. Tu crois que tu peux t'asseoir avec les gens pour parler de moi? Moi, mais pas aussi m'asseoir. Et toi, c'est les vrais, sur les vrais versions. Et m'asseoir avec tes vrais ennemis, même alors, pour te détruire. Ça, je te le dis. Et quand il vient récupérer mes affaires, il va appeler la police. Voilà. Il va dire à la police, je vais raconter tout à la police. Je vais appeler le voisin qui est là, mais il va tout lui raconter. Ton ingratitude, là, tout le monde sera au courant. N'importe quoi. Viens chercher tes affaires tout de suite. Tu crois que tu peux me traiter comme une moindre rien, ou bien me mettre à la porte que tu as raconté qu'elle est chassée de chez moi? Hein? N'importe quoi. Je suis au courant de tout ça depuis. Je sais. Une personne qui reste s'asseoir avec mes ennemis, elle est même contente qu'elle est venue me dire que tes ennemis ont dit ci. On dit ça. Tu connais ce que toi, tes ennemis disent de toi? Ta femme sera terrible. Hein? C'est ta femme? D'abord là. Je ne suis plus chez toi. C'est ta femme à toi. Je suis venue chez toi avec mon fils. J'ai déjà pris mon fils, j'ai envoyé chez son père. Donc ça te prouve que je ne suis plus chez toi. Ce que tu es en train de faire là, c'est que tu vois que tu ne peux plus m'exploiter. Moi, mais je suis dehors, je cherche là. J'avais vendu le piment comme toi aussi. Il va changer de fiancé tous les deux, tous les trois mois. Ou je vais m'avoir quatre ou cinq fiancés. L'autre au Cameroun, là-bas, il sait que c'est lui. Il y a six mois, hein, il va me marier avec lui. Maintenant, c'est un autre. Après demain, c'est un autre. Ce que tu sors, même les membres de ma famille avec qui tu sors et tout, machin, tu. Ne m'amène pas sur ce terrain, s'il te plaît. Oui, je suis là, elle pleure avant mon père et tout et tout. Je ne sais pas comment faire pour aller enterrer mon oncle au Cameroun, aller au Cameroun. J'ai mes marchés, j'ai mes problèmes et tout. Ma fille me réveille le matin. Mec, chez moi. C'est une maison maintenant. Une maison avec les asticots que je suis ancrée. Une star assise dans une maison avec les asticots en bas. Il n'y a rien, même pas un plat, même pas un rien, même pas un verre. Il n'y a rien, mais tu aujourd'hui, tu tapes la bouche parce que tu achètes les choses à la brocante, tu achètes les choses sur le bon coin. Tu veux parler à Nyangoro? Amène-moi ça encore. Imbécile. C'est pas le boum 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 que tu fais là-dehors, là. Tu vas voir comment les gens vont encore se mettre sur toi. On n'a pas peur de ça. Tu peux faire ça à tout le monde, mais pas à moi. Hein. Tu es qui? Imbécile. Et prendre mes choses tranquilles, je sors de là. Ça, les gens me disent que je lui réponds pas. Elle est qui? Parce que là, je suis encore chant avec toi. Et je vais te toucher où il faut. Je dis bien que les puces, celui qui brise le poulet chez toi, qui fait le sport là-bas chez toi, avec qui tu as couché. J'ai tout. Ça fait quoi? Pour toi. Et je ne fais que prendre. Même mon père Ngongo, je vais l'appeler. Ça, c'est mon grand frère, même Bernard, qui a me donné son numéro. Mini Ligné, il va lui parler en Nanga. Oui, il va te manquer que dans la vie là, quand tu portes ton vêtement d'ingratitude là, il ne faut pas être ingrat avec tout le monde, il ne faut pas traverser certains trucs. Tu vas regretter que je te présente les gens, tu t'assois maintenant avec eux, tu t'associes avec eux pour me détruire. Moi, je vais te détruire
inside. Ce n'est pas out, c'est pas dehors. Parce que les gens que tu avais à montager, là, ils m'en foutent, ils ne sont rien dans mon système. D'accord? Ils ne sont absolument rien dans mon système. Ils veulent te détruire de l'intérieur. Je suis à l'intérieur. Ils veulent t'exploser comme ça, là, comme une bombe de l'intérieur. Prends mon voice aussi. Moi, je prends ton voice. J'envoie à tout le monde. J'envoie à Docteur. J'envoie à Théo. J'envoie à tout mon répertoire déjà. Ça va aller où ça va aller. Voilà. Transfert. Si tu veux, tu me rebloques le seul numéro si j'en ai rien à foutre. Là, je suis en guerre avec toi. Depuis des mois, je te dis que ne me cherche pas. Ne me cherche pas. On cherche une personne qui a raté sa vie, comme tu dis. Comme toi, tu es arrivé. Tu as quoi? Tu peux filmer les maisons, les shows et tout. Tu dis que c'est le chez toi. C'est le chez toi où? Une maison, tu dis que tu construis les meubles bas, c'est un auto-show qui a construit le haut, maintenant c'est un auto-show. Machin, tout l'auto-show là-bas, il pleure, il attend que tu vas te marier avec lui. Toute la famille au courant, tu as déjà porté un autre, tu as amené en France. C'est lui qui vient d'aller donner les ordres qu'il faut chasser tout le monde. Je vais appeler Serge ce soir, trop tard demain, je vais l'appeler. Il va lui dire que tu es ici avec un autre homme. Je vais tout lui raconter, tout ce que tu as fait à Théo, toutes les factures, tout, je vais tout envoyer. Et ça va faire quoi? Oui. Les femmes là, arrêtez de dire que je vous prends le temps sur Facebook. Pendant qu'on est sur Facebook là, qu'on parle, n'est-ce pas, il a fini de faire le ménage et préparer. Donc, il faut savoir que même si je fais les directs, je n'oublie pas ce qui est important, ce que j'ai à faire. Hein? Pendant que vous m'écoutez, vous pouvez aussi préparer le midi. Écoutez quelqu'un, tu peux mettre les écouteurs, ce n'est pas de scotcher devant Internet. Tu peux écouter le direct en faisant ce que tu as à faire. Rien que dans l'amusement, j'ai fini ce que j'ai fait, j'ai fait mon ménage. Hein? Je vais descendre ma poubelle. Donc vous croyez que parce que je fais les directs, que je vais m'asseoir, je ne vais rien faire. Donc, que vos maris arrêtent de dire que oui, Flore de Lis, ma mamie t'a brûlé. Depuis que je vous parle là, je suis en direct. Je me suis levée, j'ai pris mon café. J'ai fini de faire. J'ai lavé les assiettes qu'en partant à Paris, j'avais laissées. Hein? J'avais accumulé. En même temps, toujours en train de vous parler. Est-ce que je me suis arrêtée de faire ce que j'ai à faire parce que je suis une star? Parce que il faut. Non. Est-ce que je me suis arrêtée de faire ce que j'ai à faire? N'est-ce pas, depuis que vous parlez, je fais ce qui a fait. Je fais ce qui est important pour moi. Hein? Depuis que je vous parle là, n'est-ce pas, je fais ce qui est important, mes cœurs. Donc. Arrêtez de dire que parce que vous regardez les directs, que vous ne foutez rien. Non? Si vous ne faites rien chez vous, c'est parce que vous ne voulez pas. Moi, je suis en train de faire le direct, je vous mets en haut. Mettez même les étoiles pour m'encourager que tu es brave. Tu t'es levé. Non seulement tu nous fais le direct, tu fais ceci. Est-ce que vous avez mis les étoiles? Hein? Vous ne mettez pas les étoiles. Voilà. Hein? J'ai fini, non? N'est-ce pas? Voilà que pendant qu'on se parle là, j'ai fini. J'ai fini. Pendant que je vous parle là, est-ce que vous mettez les étoiles pour encourager? C'est pas parce que je suis sur Facebook, machin, tout ça là. En même temps que vous parle. En même temps qu'on est là ensemble. Je fais un dernier café. Il est quelle heure? 12h35. Rien que je vous parle là, la matin va manger à l'heure. J'ai fait les pommes de terre avec les légumes et du poisson. Pommes de terre, légumes, poisson. Voilà ce que j'ai fait à la matin. C'est ça qu'elle va manger. Hein? Avec les petits légumes, les carottes, haricots verts. Je n'ai pas mis de sel. Elle devait manger la salade, mais non, elle ne mange plus la salade. Je remets au frais parce qu'il est à midi. On est d'accord? Pendant qu'elle vous parle. Elle devait manger la salade. Pendant qu'elle vous parle, n'est-ce pas? Voilà que j'ai presque déjà fini. Je suis toujours en direct. Est-ce que ça m'empêche de faire quoi?
pendant que je vous parle, j'ai presque, j'ai déjà fini. Elle a préparé ça. La nourriture ne dure pas pour feu ici. Pendant que vous parlez, elle a tout fait. J'ai cuisiné. Et tout. Après, vous allez dire que parce qu'on est sur Facebook, on fait rien. Qui vous a dit ça? Même ma poubelle à l'entrée de la porte. En sortant tout à l'heure, parler, faire mes démarches. Je sors une fois avec ma poubelle. Ah ben, on est organisé, mon frère. Tu pensais qu'il faut rester comme ça, mais bien sûr. Maintenant, je dépose ma poubelle à l'entrée de la porte. En sortant tout à l'heure, ce soir. Voilà. Je mets la télé à la montée. Non, Bobo, tu fais maman. Je vais sortir, je vais aller là. Je ne pars sur l'assistance sociale comme je suis là. Parce que pour aller là-bas, il ne faut pas faire plus. Maman, que mon vrai rendez-vous. Vrai rendez-vous, maman. N'est-ce pas, pendant que je vous parle là, j'ai déjà fait, je me fais un petit dernier café là. Je me lance un petit dernier café vite fait. On est d'accord. Parce que vous allez dire après que vous... Vous dites toujours qu'on ne fait pas si. Voilà. Donc, Coco Mimban, trouve ta maison, tu t'assois, même si c'est le trou. Tu es chez toi, tu seras respecté. C'est ce qu'on te demande. Hein? Que d'insulter. Voilà la réponse d'une grande dame. Coco, fiche le camp aux gens. Tu comprends? Écoute bien. Dans la vie, il faut apprendre à être humble. Tu es ingrat et mal élevé. Tu n'es pas humble. C'est pour cela que tu n'as que des difficultés dans ta vie. Tu ne reconnais même pas quand quelqu'un t'a fait du bien. Et tu ne reconnais jamais quand tu as tort. Quand tu vas apprendre à être humble, à respecter les efforts que les gens font pour toi, tu vas voir comment ta vie va évoluer. Tu es ingrate, ma chérie. Ce monsieur t'a déjà aidé. Elle nous a dit... Non, il y a les femmes là-bas en direct avec tes noms. À moi, tu m'as dit que tu ramenais la voiture dimanche. Et ça me fait mardi. Et tu tiens le langage comme ça, la personne est éternelle, nous tous nous allons mourir. Apprends à respecter les gens. Tu ne respectes rien dans ta vie. Non, il n'y a plus d'eau. Donc il faut toujours laisser les histoires. Quand je vais mourir, mon fils va rester avec lui. Moi-même, je vais mourir, j'ai aussi trois enfants. Ils vont rester, ils vont continuer à vivre. Mes parents sont morts, j'étais un enfant. J'ai continué à vivre. Donc il faut laisser ça. Apprends à te rabaisser, apprends à dire je suis désolé. Ça manque dans ton langage. Il faut arrêter un peu. C'est ça, ma star. Merci d'avoir répondu comme ça. J'ai dit qu'elle va détourner l'attention. C'est comme ça. Et pas autrement. Les conneries que oui, il y a les gens avec mon nom. Ça fait quoi? Hein? Coco, fiche le camp aux gens. Tu comprends? Écoute bien. Dans la vie, il faut apprendre à être humble. Tu es ingrat et mal élevé. Tu n'es pas humble. C'est pour cela que tu n'as que des difficultés dans ta vie. Tu ne reconnais même pas quand quelqu'un t'a fait du bien. Et tu ne reconnais jamais quand tu as tort. Quand tu vas apprendre à être humble, à respecter les efforts que les gens font, tu vas voir comment ta vie va évoluer. Tu es ingrat. Ce monsieur t'a déjà aidé. Il nous a donné la voiture. Il t'a demandé de ramener la voiture. À moi, tu m'as dit que tu ramenais la voiture dimanche.
Nous sommes mariés. Et tu tiens le langage comme ça, la personne est éternelle, nous tous nous allons mourir. Apprends à respecter les gens. Tu ne respectes rien dans ta vie. Donc il faut toujours laisser les histoires, quand je vais mourir, mon fils va rester avec lui. Moi-même je vais mourir, j'ai aussi 3 enfants. Ils vont rester, ils vont continuer à vivre. Mes parents sont morts, j'étais un enfant, j'ai continué à vivre. Donc il faut laisser ça. Apprends à te rabaisser, apprends à dire je suis désolé. Ça manque dans ton langage. Il faut arrêter un peu. Voilà, on se dit à ce soir. Je vous embrasse, bisous. Si ce n'est pas ce soir, on se dit à demain. Ok? C'est que si on va faire le direct ce soir, même si c'est à n'importe quelle heure, on sera en direct. Merci, bisous. Bonne journée.